vous avez le droit de tomber le masque. Hein. On ne va pas tarder à démarrer, si vous voulez vous installer. Bien, il est 18h. Je vous invite à prendre place, chers collègues, s'il vous plaît. Benoît, est-ce qu'il reste encore du monde dans le hall, Benoît ? D'accord. Pendant que nos derniers collègues s'installent, vous avez tous initialisé votre zapette, bien sûr. Alors, il reste encore deux collègues dans le hall. Je propose que nous démarrions de toute façon. Nous avons un ordre du jour assez chargé. Donc, merci aux uns et aux autres donc, d'être là pour notre conseil communautaire d'avant l'été. Merci, Céline. Donc, avant d'ouvrir le conseil communautaire, je tenais très officiellement à féliciter les binômes, les couples, les quatuors qui ont remporté les dernières élections départementales. Je tiens d'abord à féliciter Angélique et Sébastien pour leur victoire sur Lisieux. Je souhaite à Xavier, de nouveau, je l'ai fait, j'ai refait hier à Alessandra Marivin, les féliciter pour leur victoire sur le canton de Mésidon. Et je souhaite et j'invite Françoise, Jackie,
Frédéric Itou, à féliciter aussi Olivier Anfry et Vanessa Bonhomme pour leur victoire dans ce moment démocratique qui s'est déroulé dimanche dernier. Voilà, c'est un temps d'élection, un temps démocratique. Le temps est passé et maintenant, on va continuer à travailler ensemble pour le bien du territoire. Je crois que c'est ce qui doit nous animer tous. Et je ne doute pas que ça sera ça. J'ai aussi félicité personnellement Hervé Morin pour son élection à la région. Et je me félicite aussi que nous aurons les, toujours comme interlocuteurs du territoire Nathalie Porte et Serge Tougard pour représenter le territoire de l'agglomération au sein de la région Normandie. Encore une fois, bravo. On peut peut-être applaudir les vainqueurs quand même. Alors, nos conseils communautaires étant ouverts, je vais donc faire l'appel pour mesurer le quorum si c'est besoin. Gérard Louis est-il là ? Oui, Gérard ? Ok. Alors, j'ai omis de dire pourquoi on est là ce soir, plutôt à la Loco qu'à Canada. C'est parce que Canada est loué depuis plus d'un an à la SCA Normande qui a réservé le parc des expos pour toute la semaine, puisqu'ils font régulièrement des réunions pour les producteurs. Donc, nous nous sommes rabattus sur la deuxième salle du territoire qui pouvait accueillir un conseil communautaire. Alors, Gérard est là. Alors, dans cette salle, ce n'est pas le même prix qu'à Lisieux. C'est 10 euros un portable qui sonne en réunion, Michel. Alors, Didier Mauduit est excusé. Il est suppléé par Madame Rouvière. Gérard Vacrel est excusé, a donné pouvoir à Clotilde Walter. Sylvie Fermance. Geneviève Vassner est excusée, elle a donné pouvoir à Roger Lepage. Evelyne Sophie Lebarbier, que je félicite également pour sa victoire avec Hubert Courceau et Audrey Gaden sur le canton du Nord. Alain Dutot, que je félicite aussi, mais pour plein d'autres choses. Éric Boinard, Déborah Dutot est excusée, a donné pouvoir à Alain Dutot. Patrick Flamand, Jean-Pierre Gallier, Gilbert Dauphren est excusé, a donné pouvoir à Benoît Charbonneau. Bernard Brozin-Doutaz est excusé, a donné pouvoir à Sébastien Leclerc. Gérard Baudouin, Benoît Hicre, Roger Lepage. Michel Bretteville est excusé et suppléé par M. Rioué. Sylvain Ballot. Christian Decourty, Alain Mignot, Daniel Géhan, Isabelle Leroy, Denis Poutot, Michel Rossoncourt, Didier Pellerin, Didier, non, il ne va pas tarder, Marielle Garmont est excusée, a donné pouvoir à Didier Pellerin, Bernard Aubry est excusé, a donné pouvoir à Angélique Périgny, Johnny Briard, Christophe Colomer, Christophe n'est pas là, Thibaut De Jaeger, Laurent Delanoë est excusé, a donné pouvoir à Johnny Briard, Jean-René Desmonts, Thierry Eustache, Denis Fraquet, Angélique Avard, Karine Lagnier est excusée, a donné pouvoir à Denis Fraquet, Sébastien Leclerc, Corinne Lecourt, Corinne Lejeune, Cindy Mangeant, Angélique Périgny, Vicky Bagné est excusée, a donné pouvoir à M. Desmonts, Clotilde Walter, Caroline Vérague, Morgane Voisin est excusée, a donné pouvoir à Mme Lejeune, Philippe Vigan, Patrick Beaujean, Mireille Drouet est excusée, François Gillas, Sandrine Lecoq, Frédéric Le Gouverneur, Paul-Jean Rioux de Neuville, Roland Edeline est excusé, a donné pouvoir à Jean-Pierre Gallier, Christian Anne, François Aubé, Jocelyne Benoît, Michel Bironski est excusé, a donné pouvoir à Christian Anne, Fabien Dumas, Alain Guillot est excusé, a donné pouvoir à Jocelyne Benoît, Bruno Le Boucher, Alexandra Petit, Géraldine Tancrel, Christophe Petit, Xavier Charles, Benoît Charbonneau, Daniel Chetteville, Jacques Garnavaud, Étienne Cole est excusé et suppléé par Elvin Macrae, Rénal Erzépéki. Il est là, monsieur Erzépéki ? Non. Patrice Mété. Non plus. Brigitte Hamelin est excusée. Francine Anger. Non. Philippe Ratel. Dany Targa. Jean-Louis Servi est excusé. Maxime Givonne. Christian Demenval. Hubert Lenin. Thierry Écolas,
Paul Clairadin, Colette Malherbe, Michel Desgremont, Barbara Delamarche, Marie-Pierre Bouchard-Touzé, excuse-moi Marie-Pierre, Anna-Marie, Jackie Marie, Léa Versavel, excusez, donner pouvoir à Éric Boinard, Daniel Vesque, Dany, pas là ? Elle arrive ? D'accord, Didier Pellerin, qu'on salue et qui a ce soir le pouvoir, un pouvoir, de Marielle Garmon, Jean-Paul Bourguet, Jean-Paul Saint-Martin, Françoise Fromage, voilà. Bien, donc oui, compte tenu de la grandeur de la salle et des espaces qui sont respectés, c'est pour ça que j'ai autorisé le retrait du masque. Vous dire qu'à la fin du conseil communautaire, on a prévu un petit pot de l'amitié, un petit pot de convivialité, et que ce soir, celui qui le servira, puisqu'il est secrétaire de séance, c'est Benoît Charbonneau. Je n'ai pas dit qu'on allait boire du Charbonneau, mais c'est en tout cas secrétaire de séance. Voilà, donc je n'ai pas de points supplémentaires à rajouter à l'ordre du jour et je voulais vous inviter déjà sur le point 1 de l'ordre du jour à savoir s'il y a des observations à formuler sur le compte rendu du conseil communautaire du 1er avril qui vous a été transmis. Apparemment pas, je ne vois pas de main qui se lève, donc je considère que il est adopté. Deuxième point, l'ordre du jour, les comptes rendus des délibérations du bureau communautaire. Il y a eu des bureaux communautaires du 22 avril et du 20 mai 2021. Vous avez été destinataire dans l'invitation de ces décisions prises lors des bureaux communautaires. Y a-t-il des questions, des commentaires auxquels on pourrait répondre ou ce soir ou dans un prochain conseil si on n'a pas tous les éléments ? Je ne vois pas de main qui se lève, donc je considère qu'il n'y a pas de questions sur le sujet des délibérations du bureau communautaire. Et donc, un certain nombre de décisions ont été prises en vertu des délégations qui m'ont été données dans la période du 16 mars au 15 juin. Donc, vous avez là aussi la liste. Donc, est-ce que vous avez des questions à poser ou des observations à formuler sur ce compte-rendu de décision? Apparemment pas. Donc, nous poursuivons et on arrive au plat de résistance, si je puis dire. Et on a la chance, comme à l'accoutumée, d'avoir M. Le Guen, qui est un fidèle de nos réunions. Donc, bonsoir, M. Le Guen. Donc, ordre du jour, donc, finance, compte de gestion de la communauté d'agglomération. Après, donc, ça sera Sandrine Lecoq qui nous présentera le compte administratif. Je propose que, M. Le Guen, on commence par vous pour nous présenter le compte de gestion. Avec un micro. Donc, bonsoir à tous. J'ai 20 minutes pour vous présenter les deux diaporamas suivants, à savoir l'analyse du budget principal. Ça arrive, d'accord. Donc l'année 2020 a été une année importante avec les créations des 5 nouveaux budgets concernant le transfert de tous les syndicats d'eau. Donc il y a 2 présentations pourquoi. Je pense qu'il est important de regarder le résultat du budget principal où il y a la fiscalité et l'évolution de la fiscalité et les dotations de l'État. Ça va mettre en évidence donc cette capacité d'autofinancement sur le budget principal. Donc les collectivités qui dépendent de la trésorerie de Lisieux, donc les élus reconnaissent donc le document que j'ai présenté au mois de mars et au mois d'avril dans la majorité des cas, car il y avait d'autant plus de nouveaux élus. Ça me permet donc d'expliquer les choses, car ce qui est important, quelle que soit la collectivité et quelle que soit la taille, c'est sa section de fonctionnement. Donc la valorisation de ce document, on va donc regarder la section de fonctionnement. Alors évidemment, vous êtes loin dans la salle, donc les chiffres n'apparaissent pas de manière très claire. Donc je suis persuadé que ces documents vous seront transmis sous forme donc dématérialisée.
Au niveau des recettes sur le budget principal, les deux recettes principales sont bien évidemment les ressources fiscales et les dotations de l'État. Deux pourcentages à retenir en 2020, les ressources fiscales, 38% des recettes, et les dotations de l'État, 47%. Donc 38% des recettes en 2020, c'est à la baisse par rapport à l'année précédente. Pourquoi ? C'est lié à la réforme fiscale en ce qui concerne le montant des taxes d'habitation et la réforme de CFE. Donc sur les trois dernières années, nous passons donc de 45% à 38%. Donc là, vous êtes très loin et vous ne voyez pas les chiffres. Donc c'est pour ça que je vous les donne. Donc en vert sont les ressources fiscales et en bleu les dotations de l'État. Donc les dotations de l'État, 47% qui sont en augmentation donc sur la période et qui représentent en tout un total de 31 millions d'euros en recettes globales. À gauche, là, vous avez la comparaison de la communauté d'agglo. Donc cette analyse, elle est faite pour une comparaison nationale de 53 de communautés d'agglo dans la même strate démographique que la vôtre. Donc là, au niveau du département en communauté d'agglo, il n'y a que la CA de Lisieux. C'est pour ça que les ressources fiscales représentent donc 155 euros contre 279 au niveau régional et 276 au niveau national. Pour les dotations, vous êtes à 193 euros par habitant contre 164 au niveau régional et 142 au niveau national. Ces recettes donc de fonctionnement, qui sont importantes au niveau fiscal, surtout avec donc le reversement de l'attribution de compensation qui s'élève à 9 122 000 euros auprès des communes, ça mettra en évidence notre capacité d'autofinancement et nous ferons donc la différence avec nos dépenses. Donc quelles sont les dépenses donc principales sur la CA, sur le budget principal ? En vert, nous avons les charges à caractère général. Alors les charges à caractère général ont augmenté en pourcentage entre 2019 et 2020, car nous étions à 34% et nous passons à 38% des dépenses. Donc je pense qu'ensuite, monsieur le gouverneur, madame Lecoq parleront de la section donc de fonctionnement et des dépenses qui apparaîtront dans les différentes diapos. Et effectivement, sur les charges à caractère général, l'effet Covid, la communauté d'agglo l'a connu, comme l'ont connu beaucoup de collectivités. En bleu, vous avez les charges de personnel. Les charges de personnel, c'est un chapitre qui est très important et que la collectivité ne peut pas maîtriser puisque lorsque le personnel est titularisé, il est là et tous les salaires doivent être bien évidemment payés tous les mois. Donc en 2020, ce taux est de 47%. Et sur la période, il est de 43%. Et sur la période, il est donc resté stable. Il est même en baisse par rapport à 2018. Donc la collectivité de la CA de Lisieux beaucoup de compétences, donc vous avez un nombre de personnes conséquent au niveau de votre collectivité, et on peut constater qu'il n'y a pas le dépassement de ce seuil de 50% des dépenses qui, en général, permet aux receveurs d'attirer l'attention par rapport à l'augmentation de ces charges. Donc les deux pourcentages principaux sont les charges à caractère général, 38%, et les charges de personnel, 43%, donc au 31 décembre 2020. 38% des dépenses charges à caractère général, c'est 11 millions d'euros, et les charges de personnel en net représentent 12 932 000 euros au 31 décembre. Je le dis à chaque fois, ce qui est important, c'est la diapo donc suivante qui va apparaître avec la capacité d'autofinancement. Donc la diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, la capacité d'autofinancement brut et net. Donc la CA de Lisieux vit son quatrième exercice et va voter donc les comptes de gestion et comptes administratifs pour la quatrième fois. Donc là, vous avez à l'écran, à l'euro près, les montants en bleu des produits et en vert donc des dépenses, et la ligne verte met en évidence l'évolution de la capacité d'autofinancement brut. Donc sur ces quatre exercices, la capacité d'autofinancement est passée de 6 388 000 euros à 2 701 000 au 31 décembre 2020. Elle est donc en baisse effectivement sur la période, mais exercice après exercice, qu'est-ce qui est important, quelle que soit la taille de la collectivité, c'est de permettre le remboursement en capital de la dette. Et la capacité d'autofinancement net au 31 décembre donc 2020 sur le budget principal, elle est de 2 millions d'euros, car il y a eu 700 000 euros de remboursement en capital. C'est le graphique que vous avez là, donc en bas à gauche. Donc cette capacité d'autofinancement doit toujours rester positive, ce qui est le cas sur la période, même si c'est à la baisse. Mais exercice après exercice, la CA de Lisieux doit toujours garder cette capacité d'autofinancement positive.
Quelles sont donc les conséquences ensuite au niveau du budget? Cette capacité d'autofinancement permet donc de provoquer de l'autofinancement pour réaliser donc les investissements. Et ce diaporama met en évidence, en vert à gauche, les dépenses réelles d'équipement de 2017 à 2020. Et il y a eu exactement 29 716 000 euros de dépenses d'équipement. Comment ont été financées ces dépenses d'équipement? En 2017, la somme qui apparaît de 1 902 000, c'est l'emprunt qui avait été contracté et qui a donc été qui est apparu en janvier 2017 à la création donc sur la communauté d'Aglo, mais sur le budget principal, sur les quatre exercices, il n'y a pas eu d'emprunt de réaliser. Vous constatez que ces équipements ont été financés par les subventions et par l'autofinancement. Le résultat donc de la collectivité à la diapo suivante apparaît. Vous avez ici donc la copie à l'écran du compte de gestion sous forme de graphique. Et c'est très intéressant puisque ça nous donne le fonds de roulement net global. Le fonds de roulement net global qui est de 4 626 000 euros. Et c'est exactement ce chiffre-là qui apparaîtra au niveau du compte de gestion tout à l'heure. Donc ce fonds de roulement net global, c'est donc l'excédent cumulé de la collectivité sur le budget principal. Quelle est la situation au niveau de la trésorerie au 31 décembre? Donc la situation donc, de la trésorerie est de 4 519 000 euros. Donc ce fonds de roulement entre 2019 et 2020, il se situe donc en 2020 à 2 mois et demi donc, de charge, contre un peu plus de 4 donc, l'année précédente. Mais ce fonds de roulement permet malgré tout à la collectivité de ne pas avoir donc de soucis de trésorerie. Apparaît aussi sur ce budget le capital de la dette, 7 224 000 euros. Alors le montant en capital a augmenté sur l'exercice. Pourquoi? Il y a eu le transfert donc de l'emprunt de la loco que vous aviez validé. Ce qui est intéressant, c'est de connaître ce que représente la dette par habitant au 31 décembre donc 2020 sur ce budget principal. Le montant de la dette est de 95 euros contre 368 euros au niveau national pour les CA donc, de la même strate. Le fonds de roulement en euros par habitant au 31 décembre, c'est 61 euros contre 85 euros au niveau national. À la diapo suivante apparaît ensuite le bilan des quatre exercices, justement au niveau de l'excédent cumulé. Donc au 31 décembre 2017, au premier compte de gestion compte administratif qui avait été voté, vous avez donc là en vert le montant de 8 790 000 et vous retrouvez bien le montant de 4 627 000 au 31 décembre 2020. Donc effectivement, le fonds de roulement a diminué, mais reste donc largement positif sur la période. L'endettement de la collectivité sur ce budget-là, j'en ai parlé, 7 225 000 euros avec une ligne verte qui augmente, c'est lié à l'intégration de l'emprunt de la loco. Étant donné donc le délai donc, que j'ai pour présenter ces deux diaporamas, par rapport à la fiscalité sur ce document, nous avons ensuite les tableaux de 2020. Mais l'année 2020 parle donc de la taxe d'habitation, mais la taxe d'habitation n'est plus à l'ordre du jour, puisque en 2021 maintenant, c'est de la TVA qui est versée à la collectivité. Donc s'il y a des choses importantes à retenir sur ce budget principal, c'est bien un résultat positif donc, de la CAF qui permet sur l'exercice le remboursement en capital de la dette. Il est bien évident que nous ne pouvons pas nous en tenir là et qu'il faut regarder donc la situation consolidée de la collectivité. Et c'est le deuxième diaporama. Elsa, s'il vous plaît. Le deuxième. Alors, le deuxième diaporama. Voilà. Donc ça, c'est la situation financière consolidée de la collectivité. Donc au 31 décembre. Alors ces documents vous seront transmis, parce que là les chiffres, vous ne réussissez pas à les lire, mais il est important, étant donné l'importance des budgets qui ont été créés au niveau des cinq budgets concernant donc, les régies,
au niveau du résultat global. Au niveau du résultat global, à la page suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc là, ça apparaît plus clairement à l'écran, ce qui est donc ce qui est très bien. Il y a donc un total de produits de fonctionnement, tout cumulé, avec donc les budgets annexes. Il y a quand même 13 budgets annexes au niveau de la CA de Lisieux. Donc on a un total de produits de 46 102 617 €. Je vous parlais tout à l'heure du reversement de la fiscalité. Vous retrouvez là l'attribution de compensation avec les moins 9 223 467. Au niveau des charges, un total de charges de 43 303 382. Nous faisons donc la différence, ça nous donne un résultat comptable de 1 798 735, tout budget confondu. Donc ce résultat comptable permet de financer des investissements que nous avons donc au bas de la page. S'il vous plaît. Voilà, je vous remercie. Donc quels ont été les investissements et les dépenses donc d'équipement en 2020, tout budget confondu. Total des dépenses 17 641 033 et total des ressources d'investissement 16 967 450 euros. Cela, quand on fait la différence, met un besoin de financement en évidence de 673 583 euros, hein, ce qui donne de manière consolidée un résultat comptable donc positif de 1 125 152, si vous descendez un tout petit peu, s'il vous plaît. Merci. Voilà, le résultat global consolidé de la CA de Lisieux sur l'exercice 2020 est de 1 125 152. Je parle toujours de la CAF, qui est donc très importante, quelle que soit la collectivité. Et ce qui est donc intéressant pour vous, c'est d'avoir le bilan à la page suivante de la capacité d'autofinancement consolidée de la CA de Lisieux. Et nous avons aussi le rappel de la dette. 169 emprunts ont été intégrés, ce qui donc amène un encours total de la dette au 31 décembre de 23 028 020 euros. Apparaît l'annuité payée par les SPIC sur l'exercice 974 704. Quelle est la composante de l'autofinancement? Est-ce que notre CAF, globalement, est positive, tout budget confondu? Nous avons les produits de fonctionnement CAF à 38 621 301, les charges de fonctionnement 35 945 918. On fait la différence, ça nous donne 2 675 382. Et si j'enlève le capital dû et payé sur l'exercice par rapport à tous ces budgets, on arrive à une CAF nette de 1 390 675. Pour les budgets SPIC, donc nos 5 budgets SPIC, les produits de fonctionnement 4 847 636, les charges 2 074 000, on fait la différence, 2 772 949, ce qui donne globalement pour ces budgets SPIC une capacité d'autofinancement net de 2 035 448 euros. Je pense avoir respecté, monsieur le gouverneur, les 20 minutes que vous m'aviez accordées en amont pour présenter ces documents. Bien évidemment, vous retrouverez ces chiffres au moment des comptes de gestion tout à l'heure, puisque la page principale, c'est celle où apparaît le bilan du compte de gestion avec le fonds de roulement net global. Donc voilà ce qui s'est passé sur le budget principal et voilà l'autofinancement consolidé par rapport à la CA de Lisieux donc sur l'exercice 2020. Exercice 2020 qui était que le premier exercice avec donc 13 budgets en tout. C'est donc, je crois, important et intéressant pour vous d'avoir ce bilan consolidé qui est le résultat définitif puisque les comptes de gestion ont tous été validés. Et je rappelle que vous pouvez de chez vous aller sur le site collectivité locale et sur le site donc, de la DGFiP et vous trouvez donc cette fiche qui est à disposition donc, de nous tous. Donc voilà cette présentation rapide. J'aurai bien évidemment plein de choses à dire, mais je suis resté dans mon créneau de 20 minutes et j'ai été donc plus bref qu'hier soir. Voilà. C'est vrai. Mais merci en tout cas, Monsieur Le Guen, pour cet éclairage. Vous avez dû recevoir, pendant que Monsieur Le Guen présentait, les documents sur vos tablettes. Donc je vais donner la parole maintenant à Sandrine, c'est ça ? Pour la présentation du compte administratif.
Bonsoir à toutes et à toutes. Donc, merci, Monsieur Le Guen, pour votre présentation des comptes de gestion. Donc, je vais, moi, passer au compte administratif. Donc, je pense qu'il y a une présentation. Non, c'était prévu. Il faut que Monsieur Gessin se chauffe. Voilà. Donc, compte administratif pour l'année 2020. Donc, les chiffres, ils sont aussi petits comme Monsieur Le Guen. Donc, au niveau des résultats, donc là, vous avez une présentation comparative entre le compte administratif 2019-2020 concernant les dépenses et les recettes. Donc, normalement, vous avez dû avoir ce document la semaine dernière. Donc, au niveau des dépenses, sur l'année 2020, on a un global de dépenses de 39 422 contre 2 956. Et concernant les recettes, donc je vais revenir après sur le détail. Et concernant les recettes, on est à 41 071 contre 35 580 en 2019. Et par rapport au budget qui était prévu pour 2020, donc au niveau des recettes, on est à un taux de réalisation de 99% et concernant les dépenses, à 99%. Donc si on rentre un peu plus dans les détails, donc au niveau des recettes, donc on a un écart donc entre 2019 et 2020 de 3 523 000. Donc c'est ce qui s'explique comment, notamment par le transfert des bus verts pour lequel on a récupéré 18 mois. Donc qui représente 3 366 000, donc j'irais quasiment 90% de notre différence entre 2019 et 2020. On a également 679 000 euros pour les charges refacturées, alors qu'on va retrouver aussi également pour les bus verts sur les dépenses. Donc là, on est à hauteur de 679 000 euros. Concernant les produits et services, donc on a malheureusement eu avec le Covid une diminution de nos recettes de prestations de services à hauteur de 723, et notamment pour gérer une majorité avec les piscines, donc avec une diminution de l'ordre de 400 000 euros par rapport à l'année dernière. Et on a eu, pour compenser notamment ces baisses de recettes, on a eu une dotation pour la maison de la petite enfance à hauteur de 193 000 euros. Ensuite, si je passe sur la partie dépenses, donc on va retrouver sur les dépenses, le même effet que sur les recettes. Donc là, sur les dépenses, sur le budget 2020, on est à 39 422 contre 32 956 en 2019. Donc 4 622 de différence. Donc on va retrouver les 679 000 de dépenses pour l'ESPA, mais donc on retrouve sur les recettes. Et concernant les bus verts, là on a une dépense de 3 644. Donc si on fait la différence avec ce qui nous a été facturé, on a cependant un reste à charge de 278 000 euros. Sur la partie charge de personnel, donc la différence provient notamment de ce qu'on appelle le GVT à hauteur de 238 000 euros et également la prime Covid à hauteur de 60 000 euros. Donc si on fait un petit focus sur l'impact Covid sur l'année 2020, donc nous avons, comme je le disais, été obligés d'arrêter certains services, notamment les services à la piscine, centre aquatique, conservatoire, les écoles de musique, la médiathèque, les offices de tourisme. Donc sur ces prestations, nous avons eu une perte de 800 000 euros, avec, comme je vous expliquais, une compensation malgré tout de la maison de la petite enfance. Concernant les dépenses s'élèvent à 253 000, dont 60 000 de primes Covid. Cependant, il y a eu des économies faites sur certains postes au niveau de la mobilité, notamment parce que les transports scolaires ont beaucoup moins circulé.
Donc le coût carburant et l'entretien des bus donc, a été moindre. Concernant également bah, le centre aquatique, il y a eu quelques postes en diminution et puis bah, tous les frais d'organisation, de spectacle. Donc si je fais le total de tout ça, on arrive à une économie de 490, un coût supplémentaire, pardon, 499. Et nous avons versé pour soutenir donc, l'économie, donc les entreprises, 500 000 euros. Donc nous avons un coût de Covid qui s'élève à 999 000 euros. Donc pour 10 euros. Alors non, c'est pas 10 euros, parce que 10 euros, c'est pour les élus, mais quand c'est le public et c'est le seul public, c'est 50 euros. Ah. Donc si je reprends en synthèse le compte administratif, donc les recettes 41 071 pour des dépenses de 39 422, donc on a un résultat comptable de 1 648. Si je prends la partie investissement, donc nous avons eu des recettes, donc subventions pour 7 323. Je crois qu'on va avoir des recettes supplémentaires. Ouais. C'est récidive, c'est 100 euros. Pour des dépenses d'investissement à hauteur de 8 744 000, donc ce qui nous fait un déficit de 1 420 000. Donc ces deux chiffres, on va les reporter, on va les imputer avec les chiffres de l'année 2019, donc ce qui fait qu'on va avoir un excédent de fonctionnement de 8 242 000 au 31 décembre 2020 et un déficit pour les investissements de moins 3 606 000. Et donc, si on fait la différence, on reste avec un excédent net de 4 626 000. Donc, c'est notamment le fonds de roulement qu'on avait de la part de M. Le Guen tout à l'heure. Ensuite, concernant notre taux d'épargne brute, donc il est convenu. Il était convenu qu'on puisse, par rapport au pacte financier, qu'on essaie d'obtenir un taux d'épargne brute à 10%. Donc là, cette année, donc on a eu l'effet Covid et nous arrivons là, pour l'année 2020, à un taux d'épargne brute à 7%, qui avait été estimé lors du DOB à 6%. Donc une petite hausse malgré tout. Et si on fait un retraitement par rapport au Covid, on va arriver plutôt sur un taux à 8%. Donc, l'après, ça a un impact forcément sur la capacité de désendettement qui passe à 2,7 ans où on était à 1,8 années. Et donc, notre pacte financier nous met un ratio maxi à 8 ans. Donc, on reste encore dans les normes. On est dans les normes. Ensuite, consolidation, donc budget administratif consolidé avec les budgets annexes. Donc, comme nous l'a dit Monsieur Le Guen, nous avons donc les 13 budgets annexes. Donc, c'est dommage, je ne vous voyais pas, mais vous l'avez également, ce document. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que nous avons trois budgets annexes qui se trouvent équilibrés par le budget principal, donc, qui est le budget atelier relais, donc à hauteur cette année de 129 000 euros, le budget tourisme à hauteur de 275 et le budget parc expo à 206. Parce qu'il faut savoir donc, que les autres budgets, notamment les déchets et l'ESPA, sont ce qu'on appelle des budgets étanches, donc qui doivent s'équilibrer d'eux-mêmes. Donc ce qu'on voit, ce que vous voyez en rouge, c'est notamment tout ce qui est déchets et ESPA qui ne s'équilibrent pas aujourd'hui, donc il va en effet falloir qu'on réfléchisse, je pense lors notamment du prochain CEMEX, comment essayer de rééquilibrer ces budgets. Donc, concernant l'affectation,
présentation des résultats. Donc, sur la section d'investissement, on a résultat antérieur de 2 186 000. Si on affecte 2020, donc on arrive à 3 606. Et sur la section fonctionnement, on était à 6 594 000. Donc on impute les 1 648 000. Donc on arrive à 8 232 000. Donc on retrouve nos 4 626 000 de différentiel. Donc j'en ai terminé. Bien, merci pour cette présentation du compte administratif. Alors certains étaient surpris de ne pas avoir ces documents-là. Vous les aviez dans ce qu'on appelle, nous, le rapport qui vous a été transmis avec l'invitation. Donc, tous les documents qui ont été présentés là étaient déjà dans le rapport. Donc, y a-t-il des questions, des observations sur ce compte administratif qui a été présenté par Madame Lecoq ? Monsieur Fraquet. Oui, merci. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de... C'est juste une petite parenthèse. Bon, donc, on va voter une délibération, la 2021XXX, et je vois dans la 2021XXX que nous parlons des résultats 2021, 2022, 2023, 2024. C'est quoi ? Il y a eu en effet une petite erreur de report. Oui, excusez-nous, il y a eu en effet, j'ai oublié, je l'aurais précisé après, mais il y a en fait eu une petite coquille de report au niveau des années. Merci, madame. Y a-t-il d'autres interventions ? Monsieur Charles. Oui, merci. Xavier Charles, Montreuil en Auge. Une remarque et puis une question. La remarque, on l'a déjà fait, on ne va pas revenir dessus très longtemps, mais par rapport aux trajectoires budgétaires de l'agglomération, on reste préoccupé par l'évolution des dépenses de personnel. Alors je sais qu'il y a eu un débat, je sais qu'Éric notamment était intervenu dessus, pas rouvrir le débat. Simplement, vous nous aviez dit, on l'a pu constater, dans le cadre de certains échanges, qu'un certain nombre de postes étaient gelés, c'est ce qui a été annoncé depuis le début de l'année, et Bruno avait dit que le tableau des effectifs serait mis à jour progressivement, au fur et à mesure, pour supprimer les postes qui n'avaient plus vocation à être pourvus, et je pensais qu'il y aurait une délibération sur les ressources humaines par rapport à l'actualisation du tableau des effectifs, c'est pas présent aujourd'hui. D'accord. Parce que je pense que tout le monde a... C'est prévu au conseil municipal de septembre, pour Benoît qui n'a pas entendu. Ouvrir le débat, mais c'est vrai que si ces postes n'ont pas vocation à être pourvus dans la durée, je pense qu'il faudra les fermer. L'autre point, c'est une question qu'on est plusieurs à s'être posée, puisque d'ordinaire, la séance de fin juin et de vote du compte administratif est aussi l'occasion de voter les modalités de répartition du FPIC. Et on est plusieurs à s'être interrogés sur le fait que ce ne soit pas à l'ordre du jour. Donc, en faisant quelques recherches, on a vu qu'il y avait des modifications importantes de vote du FPIC pour cette année 2021. Et qu'à la fois l'État doit notifier les éléments, et à ma connaissance, enfin, en tout cas dans ma commune, on n'a pas encore reçu les éléments, donc je comprends qu'on ne puisse pas délibérer ce soir. Et j'ai vu aussi que désormais, le calendrier de délibération se ferait d'un commun accord entre l'exécutif de l'EPCI et le préfet, et tout cela dans un cadre d'un délai de 2 mois après la transmission des éléments. Donc est-ce que vous avez une date à laquelle cette délibération aura à être prise ? Alors, c'est exactement, tu as fait la question et la réponse. C'est-à-dire que... Je n'ai pas la date, par contre. Non, mais sur le reste, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas assez. C'est soit avant le 30 juin ou dans un délai de 2 mois après notification donc, des instructions de l'État que nous n'avons pas encore reçues. Donc, les services début juillet. Les services de l'État nous disent qu'on aura la notification début juillet. Donc après, on a un délai de 2 mois pour effectivement réunir le conseil communautaire. Et on n'a pas encore fixé la date tant qu'on n'a pas les notifications, mais c'est exactement ça.
Et sur le tableau des effectifs, c'est vrai que Bruno m'en a parlé l'autre jour et il envisageait de le présenter en septembre pour faire un peu de nettoyage. C'est vrai que ce n'est pas la peine de garder des postes s'ils n'ont pas vocation à être pourvus. Y a-t-il d'autres questions sur le compte administratif ? Monsieur Boinard. Excusez-moi, n'hésitez pas à me... Derrière, je ne sais pas forcément... Merci, Monsieur le Président. Ce n'est pas du tout pour répondre à Xavier, c'est pour faire donner une petite précision, parce que la question n'est pas posée, mais je préfère quand même donner des précisions sur le budget assainissement collectif régie, sur le budget annexe qui est annoncé avec un déficit avant report de 429 000 euros. Il faut considérablement modérer ce chiffre parce que n'ont pas pu être intégrés dedans plusieurs éléments, notamment les reprises sur subvention, les amortissements des subventions à hauteur de près de 375 000 euros, mais nous n'avons pas pu les inscrire parce que nous n'avons pas pu les inscrire, oui, parce que nous n'avons pas les montants exacts encore, puisque c'est des subventions qui sont réparties sur l'ensemble des collectivités que nous avons intégrées au 31 décembre, au 1er janvier 2020. Donc, ce montant sera inscrit sur l'année 2021. Ensuite, nous avons les recettes de primes d'épuration que doit nous verser l'Agence de l'eau à hauteur de 215 000 euros qui ne sont toujours pas arrivées, donc qui vont être inscrits sur l'année 2021 également. Puis enfin, nous avons le surcoût sur les boues, sur le traitement des boues Covid à hauteur de 100 000 euros qui sont subventionnés à 80% par l'Agence de l'eau, dont nous n'avons pas encore la recette. Bref, ce budget... contrairement à ce que l'on voit, et c'est une réalité évidemment, il est en déficit, mais en fait, il est excédentaire, certes pas suffisamment, puisqu'il faudra beaucoup plus pour pouvoir dégager une capacité d'autofinancement suffisante pour faire les investissements importants qu'il y a à faire, mais on est plutôt sur si tout avait été inscrit, on est plutôt sur un excédent de 200 à 250 000 euros plutôt qu'un déficit de 430 000 euros, je préfère, ou 400, je ne sais plus, 400, c'est un chiffre que j'ai envie d'oublier, de 430 000 euros. Je tenais à faire cette précision très importante. Merci, Eric. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions ? Juste, moi, une dernière chose. Alors, en termes de méthode, on va d'abord approuver, on va délibérer sur le compte de gestion. Ensuite, on nommera un président de séance et que je propose soit Sandrine Lecoq et après on passera au vote du compte administratif. Un peu dans les mêmes le même raisonnement qu'Éric Boinard sur le budget principal, on voit effectivement qu'on dégage un excédent d'1 648 000. On a bien noté qu'on était sur une année exceptionnelle avec l'année Covid et qu'on est sur quand même gérer des recettes de 1 million d'euros de moins. Ce qui fait que d'un taux d'épargne brute de 7, on passerait à 8,1. Et on a tous en tête, je pense qu'il faudra un jour faire un exercice peut-être un peu de style par rapport au budget de la mobilité, parce que aussi bizarrement que ça puisse paraître, tout ce qui est déchets, eau et assainissement potable et autres font l'objet de budgets annexes, alors que le budget mobilité est intégré dans le budget principal. Il faut savoir que le budget, personne ici n'est responsable de cela, mais entre les recettes que sont les allocations de compensation qui nous sont versées par la région et le coût réel du service, nous sommes depuis le transfert de compétences déjà à moins 700 000 euros et qui viendront s'ajouter à 270 000 euros en 21 mécaniquement. Donc ça veut dire que si jamais on avait un budget qui s'autofinançait de la mobilité, un budget annexe, on serait un taux d'épargne brute de près de 10% sur le budget général. Donc voilà. Donc on va voter sur le compte de gestion de monsieur le receveur. Donc ça va être le premier vote de la soirée. Donc je pense que tout le monde a initié sa zapette et je déclare le scrutin ouvert. Voir à l'écran le vote, s'il te plaît, Stéphane. Ribal, t'as pas encore ouvert, peut-être ? Ribal n'était pas encore chaud. C'est bon, Ribal a donné le top départ. Merci, Ribal. Christian.
Jocelyne. Marie-Pierre. Christian, Jocelyne. Ça marche pas. Marche pas ici, hein, Christian? Il reste. On finit comme ça. Donc tu es favorable, Jocelyne, favorable. Ok, donc le scrutin est clos. Donc le compte de gestion de Monsieur le receveur est adopté. Je propose de donner la présidence de séance pendant le vote du compte administratif à Sandrine Lecoq, qui l'accepte. Donc moi je vais faire un tour. Donc on attend la mise en route. Pardon. Donc, élection du président. Il faut voter pour moi, a priori. Ou pas. Donc il reste Christian, Anne, François, donc qui ne prend pas part au vote, Patrick Beaujouan, Jocelyne Benoît et Alain Guillot. Hop, ça y est, c'est bon. Il reste Christian, Anne. Oui, mais... Donc les résultats, donc c'est bon. Je suis présidente de séance, d'acceptation, de vote de budget. Donc maintenant, je vous demande de voter le compte administratif. Donc Christian, j'ai toujours un problème de zapette. Gérard Louis et Jackie Marie. Et encore Paul Jean et Jean-Paul Saint-Martin. Et Christian. Christian, toujours un souci. Donc bah, on va arrêter ici. Donc au niveau des résultats, donc sur ça va être 79 votants, je pense. Non, 80 votants. Donc 61 pour et 19 abstentions. Donc le compte administratif est accepté. Le président peut revenir.
Alors, merci, alors, merci pour votre confiance. Donc, on poursuit l'ordre du jour. Donc, après donc, le vote du compte administratif, on va passer à l'affectation des résultats du compte administratif et je redonne la parole à Sandrine. Monsieur Justin. Présentation. Allez. Donc, alors je ne sais pas si je relis tous les chiffres, je ne pense pas. Hein. On fait un vote. Par budget. Non. On passe au vote. Bah, c'est le résultat de l'ensemble des budgets. Donc je peux reprendre les 13 budgets si vous souhaitez, mais ça va être un peu long. Tu veux qu'on prenne les 13 budgets ? On peut lire la délibération, alors. Donc, je lis la délibération. Allez, tu lis la délibération numéro 4. Donc, conformément aux instructions budgétaires et comptables M4, M14 et M49, et suite à la présentation au Conseil du compte de gestion et du compte administratif pour l'exercice 2020, il convient de procéder à l'affectation des résultats ci-annexés. Donc, vu les instructions budgétaires et comptables donc M4, M14 et M49, vu les comptes de gestion et compte administratif de l'année 2020, commission prospective et stratégie entendue, dit que les résultats cumulés, investissement et fonctionnement seront pris au budget supplémentaire 2021 aux différents budgets de la communauté d'agglomération. Donc, le conseil communautaire statuant sur l'affectation des résultats de fonctionnement de l'exercice 2020, constatant que les comptes administratifs 2020 présentent les résultats de fonctionnement présentés en annexe, donc le tableau que vous avez eu dans la délibération, décide de l'affectation des résultats suivants, donc voir les tableaux annexes. Donc il y a la totalité des budgets. Ok. Donc voilà la formule réglementaire ayant été prononcée. Et vous avez forcément tous pris connaissance avec les pièces jointes des tableaux en annexe. Je vous invite à voter sur l'affectation des résultats. Monsieur Stache. Super. Vote est clos donc à 80, exprimé 63 pour 63, abstention 18. Adopté. On poursuit avec le point numéro 5 et je donne la parole et merci encore à Sandrine, à Frédéric Le Gouverneur pour la présentation du budget supplémentaire. Ok. Donc, dans le budget supplémentaire, il peut y avoir deux ajustements par rapport au budget initial. Premier ajustement, il s'agit de corriger ou d'ajuster les recettes ou les dépenses en fonction d'éléments connus et qui ne l'étaient pas au moment de l'établissement du budget en janvier. Le deuxième ajustement, c'est l'intégration des résultats des exercices antérieurs cumulés qui nécessitent des écritures techniques pour qu'on retrouve à chaque fois recettes égales dépenses, que ce soit pour le fonctionnement ou l'investissement. Donc, concernant le budget général, on vous présente dans cette partie-là uniquement les ajustements de recettes et de dépenses de fonctionnement qui ne sont pas techniques parce que résultantes de l'intégration du résultat, mais qui sont
ce que l'on avait dit, c'est-à-dire on va vérifier les recettes et on a un écart de 0,02% entre le budget initial et le budget supplémentaire, c'est-à-dire que les recettes sont entièrement confirmées, et on va faire un effort sur les dépenses. On ne peut pas faire un effort énorme puisqu'on est déjà en cours d'exercice. Pour autant, en passant le peigne fin, on a réussi à récupérer 2% des dépenses et donc à améliorer le résultat de fonctionnement. Donc vous avez les écarts principaux qui apparaissent sur le slide. Et pour pouvoir passer de l'un à l'autre, je vais vous montrer le slide suivant qui est le BP, le BS, mais à ce moment-là, intégrant les ajustements, et je vais vous montrer les ajustements qui ne sont pas des corrections de recettes ou de dépenses, mais qui sont des intégrations techniques. Donc, sur la partie gauche, dépenses, on a les dépenses imprévues qui sont passées de 246 à 2 746. C'est un premier ajustement technique. Le virement à la section d'investissement, qui était à zéro, qui passe à 2 millions. C'est le deuxième ajustement technique pour la partie dépenses de fonctionnement. Sur la partie recettes, il y a un seul ajustement technique qu'on voit tout de suite, c'est résultat de fonctionnement reporté, 4 326 000. Ensuite, si on prend la partie investissement, en dépenses, on a le solde reporté qui lui était déficitaire, donc on le retrouve en dépenses, 3 606 000. Dépenses imprévues, 1 million. La contrepartie en recettes d'investissement, c'est virement à la section de fonctionnement, 2 millions. Et dotation, fonds divers et réserves, 4 909 000. Donc il y a bien ce distinguo à faire quand on passe en budget supplémentaire, des ajustements techniques de reprise de solde qui font, on va le voir dans le tableau après, augmenter les cumuls fonctionnement et investissement. Ce sont des augmentations techniques et non pas réelles. Et puis les ajustements éventuels qu'on a et que vous avez vu dans le budget principal, c'est-à-dire des recettes qui font des plus et des moins, mais qui en final font moins 0,02 et des dépenses contraintes, notamment sur le 0,11, qui font moins 2%. Est-ce que c'est, comme c'est technique, c'est toujours compliqué, est-ce que c'est à peu près clair ce que je vous raconte? Ça, c'est pour passer au tableau suivant. Alors là, oui, juste un petit passage de taux. On avait prévu 4% sur le BP en BS. Évidemment, avec les ajustements qu'on vient de voir, on passe à 6%. C'est la réduction des dépenses de 2%. Et ensuite, on a le tableau cumulé, fonctionnement-investissement, avec tous les budgets. Donc, vous voyez que, par exemple, sur le budget principal, on avait un BP à 50 millions, il passe à 61 millions. On a vu tout à l'heure d'où vient l'augmentation des chiffres. C'est la reprise des soldes antérieurs. On a la même chose sur l'atelier relais, etc. Toutes ces augmentations de chiffres, c'est de la reprise de soldes et des ajustements techniques. Okay. Dans la plupart des cas, par contre, dans le budget général, on a vu qu'il y avait des contractions de dépenses et des réductions de dépenses. Donc je ne vais pas, une fois encore, vous lire tous les chiffres. Il n'y a pas grand-chose à signaler. On peut rentrer dans chacun de ces budgets annexes pour voir quelles sont les écritures techniques et les quelques écritures d'ajustement éventuelles. Mais en fait, les plus importantes étaient bien dans le budget général. Y a-t-il des questions sur cette proposition d'un budget supplémentaire? Je ne vois pas de questions. Pas de questions. Donc je vous propose de passer au vote. Dany, Clotilde, s'il vous plaît. Bah, oui, non, mais ça ne marche pas. Alors, il faut que tu le refasses. Si ça marchait le début, c'est que ça marche. Merci.
Alors, donc, vote 81, exprimé 61, pour 61, abstention 20. Donc, le budget supplémentaire est adopté. Alors, on poursuit l'ordre du jour et on redonne la parole à Sandrine sur l'avance de trésorerie, le point 6. Oui. Donc, les budgets des compétences eau potable et assainissement gérés en régie disposent de leur autonomie financière. Ceci en compte 515. Compte tenu des faibles volumes financiers des budgets régie eau potable et régie assainissement non collectif, et afin de pouvoir répondre à un manque occasionnel de trésorerie, une avance de trésorerie peut être accordée donc, par le conseil communautaire à la régie. Donc, ce qu'on vous propose, c'est d'approuver la possibilité d'effectuer des avances de trésorerie du budget principal au budget régie eau potable et régie assainissement non collectif dans la limite de 200 000 euros cumulés. Et on autorise le président à mobiliser l'avance de trésorerie par certificat administratif sur une période d'un an. Y a-t-il des questions sur cette articulation comptable ? J'en vois pas. Donc je vous invite à voter. Donc, à l'unanimité, merci. Donc, nous poursuivons, nous sortons un peu des finances. Pour évoquer le point 7, vous le savez, l'État, la région, le département sont de plus en plus sur des formules de contrat territoire. Il existait précédemment pour l'État le contrat de ruralité, et aujourd'hui, on parle d'un contrat de relance et de transition écologique. C'est ce que les techniciens appellent le CRTE. Donc, nous avons mis en place un mode de fonctionnement collégial avec les maires des communes concernées par ce CRTE, les maires des villes de plus de 2000 habitants, plus la commune de Cambremer, puisqu'elle est concernée par le programme Petite Ville de Demain. Donc, les services de l'État, vous avez reçu dans les pièces jointes le projet de contrat de relance 2021-2026 que les services de l'État nous invitent à signer le plus vite possible en compagnie du département du Calvados, de l'État et de l'agglomération. Donc, dans ce projet de contrat de relance figurent tous les projets que les communes ont déposés. Hein, l'agglomération étant simplement une boîte aux lettres, ou en tout cas un assemblier, un facilitateur plutôt administratif qu'autre chose. Donc voilà, tous ces projets ont été identifiés par les maires des communes concernées. Donc le contrat devait être signé avant fin juin. A priori, le sous-préfet que j'ai eu au téléphone préférait attendre septembre pour le signer, le temps que les instances se mettent en place. Donc voilà, donc... Est-ce que vous avez des questions sur ce contrat et la liste des projets des six communes pour que je puisse le signer le moment où à la fois le sous-préfet et Jean-Léon Dupont ou son représentant seront prêts à le signer ? Y a-t-il des questions sur ce contrat de relance et transition écologique ? Ça veut dire que l'État, aujourd'hui, dans toutes ses politiques d'accompagnement, englobe. C'est-à-dire que ce soit du territoire d'industrie, de la DETR, de la DSIL, n'importe quelle source de financement que l'État apportera sur le territoire, le mettra dans ce contrat, ce CRTE. Et ce n'est pas forcément plus d'argent, mais c'est une priorisation des projets dès lors qu'ils apparaissent dans le contrat. Voilà, y a-t-il un commentaire sur ce document ou pas? Non. Je pense que les maires, on doit retrouver les maires des six communes leur projet.
Vous m'autorisez à le signer, sachant qu'il y a des clauses de revoyure régulières. Et comme je l'ai dit, on travaille de façon collégiale et les maires des six communes, qu'on appelle le COPIL, nous nous réunissons régulièrement pour mesurer les degrés de maturité de tel projet sur telle commune pour éviter de perdre des crédits ici ou là. On y va ? Vous m'autorisez à signer ce contrat avec l'État ? Donc je vous invite à voter s'il n'y a pas de questions. Monsieur Stache, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes un peu troublé par vos voisines, mais c'est la zapette. Elle va marcher, la preuve, elle marche. Bien, ok, à l'unanimité, on va aller chercher de l'argent auprès de l'État. Alors, on poursuit le point 8, pacte financier fiscal. L'attribution donc des fonds de concours. Vous le savez, hein, je fais un peu corollaire avec ce que je viens de dire, mais dans les cas des contrats de territoire, région, département, État, même si le département est toujours présent sous d'autres formes, au travers de la PCR et d'autres aides financières, mais dans les cas des contrats de territoire signés avec le département et la région, les communes de plus de 2000 habitants ne sont pour l'instant pas éligibles. Donc, l'idée depuis la création, depuis 2018, de la communauté d'agglomération, c'est de permettre à l'agglomération de venir accompagner les projets de toutes les communes qui, de préférence, de moins de 2000 habitants. Donc, l'agglomération a confié ses missions d'expertise, hein, puisque justement, la volonté de l'agglomération, c'est d'avoir beaucoup de souplesse dans le traitement de ces dossiers, et de ne pas avoir un droit de jugement sur la pertinence de tel ou tel projet, que ce soit un projet de réhabilitation d'un logement communal, de vitraux dans une église, d'accessibilité PMR ou d'aménagement de bourg. Nous ne sentons pas la compétence pour pouvoir juger du bienfait de ces projets. Donc la première vague de ces fonds de concours a eu lieu donc de 2018 à 2020. Petit bilan rapide. Et après Frédéric Louverneur, hein, puisque tout comme du temps de la précédente mandature, c'est la commission de finances qui est un peu à la manœuvre sur cela. De 2018 à 2019, il y a eu 26 projets qui ont été soutenus pour un montant de 569 000 euros. Pour 2020, 38 projets ont été soutenus pour un montant de 414 392 euros. Et pour 2021, déjà 39 projets ont été non pas validé, mais expertisé par la commission de finances pour une somme de 592 273 euros. Donc la délibération qui vous est proposée, c'est de pouvoir valider les propositions qui vous ont été transmises avec le projet de délibération et qui ont été vues en commission de finances. Fred, tu nous dis un mot là-dessus peut-être ? Oui, je vais déjà préciser quelques questions que j'ai entendues sur les taux d'intervention de fonds de concours par rapport au projet. Donc on a un taux normal de 20% et un plafond en valeur, ce qui veut dire que quand le projet est important, le fonds de concours ne peut pas représenter 20%, il représente moins en pourcentage, puisqu'on plafonne en fonction du montant. Et d'autre part, il y a quelques taux bonifiés de 10%, donc on passe de 20 à 30% lorsqu'il s'agit pour une commune de charge de centralité. Je prends pour exemple une école qui bénéficie à plusieurs communes autour. Donc voilà pour la différence sur les taux. On signale aussi que dans ce qui vous a été fourni et en bas de la page, il y a un swap, je ne trouve plus le mot en français, mais ça veut dire un échange de projets. On passe d'un projet à l'autre pour la même commune et pour le même montant. Donc en fait, un échange. Voilà, un transfert, échange. Je perds mon français. Il y a un échange en bas qui n'a pas d'incidence financière, mais qui doit être aussi validé, parce qu'on ne fait pas des échanges comme ça, et on essaye d'y voir clair.
Voilà, y a-t-il des questions sur soit un projet en particulier, soit sur les fonds de concours en général ? Rajouter quand même qu'il faut aussi tirer l'expérience des 3 années de fonctionnement. Et il y a peut-être, des précisions à apporter ou la trame et l'esprit sera le même, mais peut-être que la commission de finances sera amenée à nous faire des propositions à la marge, peut-être pour que qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur tel ou tel dossier pour le mois de septembre-octobre. Tout à fait. Voilà, il y a des questions sur ça ? Clotilde. Merci beaucoup. J'ai regardé le tableau. Effectivement, il y a des éléments qui mériteraient d'être présentés, je dirais, de façon globale pour qu'on ait un peu une idée, parce qu'on passe directement, je dirais, aux opérations avec le taux de financement. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant. En tout état de cause, je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait être dit, c'est rappeler, en tout cas pour les nouveaux, les critères d'attribution. Et deuxièmement, quelle est la liste des communes qui n'en ont pas, qui n'ont pas de fonds de concours, puisque le tableau est quand même assez long. Merci. Alors, les communes qui n'ont pas de fonds de concours sont celles qui n'en ont pas demandé à ce jour. Ça, c'est la première chose. On a ouvert aussi, dans le pacte financier fiscal, et c'est encore ouvert à ce jour, des communes historiques de communes nouvelles, limitant dans une année 3 communes historiques pour une commune nouvelle. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de frein à demander et à faire valider les projets. Xavier. Et Monsieur Desgremont après. Et Sylvain. Non, mais... Oui, Xavier Charles, Montreuil-en-Auge. Une question, remarque à cheval avec le précédent dossier et aussi celui-ci. Dans beaucoup de domaines, l'État a longtemps été partenaire de communes, et notamment via la DETR, autrefois la DGE, désormais DETR, notamment sur les projets de voirie. Et moi, je suis quand même assez inquiet de voir l'orientation que prend le préfet, les services de l'État, sur l'accompagnement des missions qui accompagnent historiquement l'État, c'est-à-dire le scolaire et la voirie, où on se rend compte que de plus en plus, d'autres sujets paraissent prioritaires à l'État, et au détriment de ces investissements qui sont pourtant fondamentaux dans beaucoup de communes. Enfin, toutes les communes ont de la voirie, toutes les communes n'ont pas d'école, mais toutes les communes ont de la voirie. Et on a régulièrement des sueurs froides à voir que des projets importants parfois ont été estimés, préparés par les conseils municipaux, attendus par les entreprises locales, et que l'État parfois trouve prioritaire d'autres sujets et ne répond pas. Et je fais le lien, je reviens donc avec cette délibération sur les fonds de concours, où lorsque la charte a été mise en place en 2018, on a volontairement été... très large, parce que j'ai relu et c'est marqué dans la charte qu'il n'y a aucun domaine d'exclusion sur les aides. Est-ce que c'est l'agglomération de répondre aux défaillances de l'État ? Est-ce qu'on ne devra pas quand même mettre quelques critères ? Je pense que le rôle des élus que nous sommes devrait être de rappeler au préfet que les compétences qu'assumait historiquement, c'est-à-dire l'État d'aider les communes sur la voirie, doivent rester à ce niveau-là. Parce qu'on avait mis dans la charte que, certes, il n'y avait aucun domaine d'exclusion, mais qu'il fallait quand même que le projet soit d'intérêt supracommunal et présente un intérêt d'attractivité. C'était les deux critères, Frédéric, si tu te souviens. Enfin, à l'époque, c'était Jean-Paul Soulbieu qui présidait la commission, je crois, mais c'est les critères qui avaient été mis. Supracommunal, alors vous allez me dire qu'un chemin, ça ne concerne pas que les habitants de la commune, mais tout le monde peut y circuler. Et un critère d'attractivité qui, finalement, on peut faire rentrer beaucoup de choses dedans. Enfin, en tout cas, moi, je... Aucun souci par rapport aux projets qui sont présentés, mais ça interroge quand même que l'État n'aide plus ces projets-là. Je déroule un petit peu, et donc j'en arrive à la deuxième question, où il a été précisé lors du vote du budget 2021 que pour ces fonds de concours, une enveloppe d'1 million d'euros était votée pour la durée du mandat, c'est ce qui a été dit, alors que sur le précédent mandat, un mandat raccourci, les fonds de concours n'ont fonctionné que 3 ans, et c'était 1 million d'euros aussi. Là, il a été proposé au budget 1 million d'euros pour 6 ans. Quand je vois qu'on consomme 592 000 sur la première année, ça veut dire qu'il y aura des choix à faire sur l'année qui suit, sauf à retrouver des capacités financières, et ça dépend de beaucoup d'autres sujets qu'on a vus précédemment. En tout cas, ça fait une grosse partie de l'enveloppe qui est consommée cette première année. Et le troisième point, l'intervention, je pense qu'il faudra revoir plus globalement la charte, parce que la charte qui, normalement, est... L'assise de nos délibérations prévoyait que les communes avaient jusqu'au 15 septembre pour faire remonter leur dossier.
Donc si on décide que c'est plus tôt, pourquoi pas, c'est vrai que ça permet d'engager les travaux plus tôt dans l'année. Il faudra aussi revoir la charte pour l'actualiser par rapport aux pratiques qu'on souhaite adopter. Donc voilà les remarques que je souhaitais faire. Ok, sur ces trois points... On va globaliser les questions, monsieur Desgremont. Bonsoir à tous, Michel Desgremont, Saint-Pierre-en-Auge. Simplement une question, vous avez dit qu'il y avait eu 39 dossiers présentés à la commission finances. Est-ce qu'il y aura une clause de revoyure d'ici la fin de l'année pour les dossiers restants? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sylvain avait demandé, excuse-moi. Bonsoir à tous, Sylvain Ballot, la Vespierre Friardel. Moi, j'ai une petite remarque concernant, on parlait de l'objet des fonds de concours. Je vois qu'il y a plusieurs dossiers de travaux de rénovation thermique donc qui vont venir manger un petit peu l'enveloppe des fonds de concours. Est-ce que ça ne peut pas passer dans le dossier qu'on vient de voir juste avant, le CRTE, pour les communes centres qui vont pouvoir bénéficier du CRTE? Et ça dégagerait un petit peu de recettes pour ce fonds de concours, parce qu'effectivement, 1 million, si on en mange déjà 690 000 cette année. Donc voilà, c'était juste une réflexion. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres observations sur les fonds de concours? On répond à deux voix. Tu commences, je commence. Je commence. Vas-y. Et puis tu compléteras. Concernant la première remarque de Xavier, oui, quand on regarde le poids dans les fonds de concours demandés sur les 592 000 en voirie et en école, c'est important. Donc il y a un déport de l'État qui se retire vers ces fonds de concours. En même temps, c'est un besoin des communes. Et elles n'ont peut-être pas d'autres besoins, mais elles ont celui-ci. Donc c'est comme ça qu'on a raisonné, en tous les cas, en commission finances. Le deuxième point, revoir la charte, oui, bien évidemment. Une fois que la CLECT sera posée, ça faisait partie des travaux qui étaient prévus. Clause de revoyure. Forcément, quand on regarde le million qui a été engagé dans la première mandature, moins de la moitié aujourd'hui a été dépensé. Donc ça veut dire que sur des projets, il y a des choses qui traînent. Il y en a peut-être même qui ne vont pas se faire. Donc il y a forcément des clauses de revoyure du passé à faire. Et pour Michel, s'il y a des nouveaux dossiers qui arrivent, on est prêt à les regarder. C'est-à-dire qu'il y a des fenêtres qui sont ouvertes officiellement, mais on peut travailler en dehors de ces fenêtres, c'est pas compliqué. Donc s'il y a des dossiers qui arrivent, on peut les regarder et les traiter pratiquement deux ou trois fois dans l'année, pas seulement en une fois. C'est à peu près tout ce que j'allais dire, mais je vais compléter pour répondre à Xavier. Oui, alors Étienne Cole est probablement devant son écran, et on salue Étienne et tous ceux qui nous regardent ce soir, puisqu'Étienne et moi, nous, je pense qu'il n'y en a pas d'autres ici, nous siégeons à la commission DETR. Sébastien, non, il n'est pas. Tu n'es pas à la commission DETR. Non, tu es plus. C'est clairement l'orientation du préfet de ne plus prendre aucun travaux de voirie. Quoi. C'est même pas on fait, on prend, c'est non. Quoi. Je veux dire, la priorité du préfet de l'État, c'est surtout pas la voirie. Voilà. Donc ça, c'est affiché, affirmé, parce que... oui, ah ben, je pense que tu as plusieurs de tes collègues qui... Enfin, nous, qui ne se sont pas gênés de lui dire, notamment Olivier Passe, quoi, le président des maires, qui, parce que cette commission de la dotation des équipements des territoires ruraux, la commission départementale, on doit une vingtaine, je crois, à peu près, à siéger, elle est consultative. Et in fine, c'est le préfet qui décide de ce qu'il veut faire. Hein. Donc clairement, il donne des orientations, et l'orientation 1, ce n'est pas de travaux de voirie. Voilà. Donc ça, c'est clair, on a le droit de protester, on a le droit, et c'est fait hein, régulièrement. Sur la capacité de financement, Fred l'a dit, on a ouvert 1 million sur 18-19-20. Beaucoup de crédits n'ont pas été consommés, n'ont pas été demandés, n'ont pas été engagés. Donc voilà. Et donc on reste toujours dans cette ouverture de crédit. Et si dans le mandat il faudra revoir sa copie, on trouvera les moyens pour honorer les projets. Sur la clause de revoyure, oui, Michel, évidemment. Hein, je veux dire, si des dossiers. Alors, c'est toute l'approche que moi j'ai souhaité, c'est que avoir une certaine souplesse quoi, dans le traitement des dossiers. Quoi, je veux dire, l'agglomération ne doit pas faire preuve de psychorigidité sur. Voilà, c'est des fois un peu compliqué. Donc, l'idée, c'est d'avoir une certaine souplesse. Et j'ai demandé
au service de regarder ça avec beaucoup de bienveillance sur... Mais quand un dossier est déposé, on n'en dépose pas un deuxième dans l'année, mais si on l'a oublié de le déposer et qu'on est hors date, on peut le déposer. Et sur l'observation de Sylvain, ça peut faire partie justement de la clause de l'adaptation des statuts. C'est vrai que là, au début, on avait été pas d'exclusive. On juge pas, on fait confiance aux conseils municipaux et aux maires. Voilà, si on, au sein de l'agglomération, on juge qu'il faut faire évoluer, moi, je suis pas contre à regarder les choses. Oui, Xavier. Et monsieur de Courty après, ou monsieur de Courty d'abord. Il n'a pas encore parlé. Merci. Question de Courty, le mini-lude. Oui, juste une question pour les fonds de concours. Là. Est-ce qu'il y a un cumul maximum en pourcentage pour toutes les subventions? Parce que je vois qu'il y a une défense incendie avec une bâche. Non, bon, j'avais cru comprendre qu'on faisait 50%. On pouvait avoir 50% du conseil départemental, 30% de l'État et 20% de l'agglo. Ça fait 100%. Dans quel cas on est là? Dans le cadre de la loi, hein, les dépenses subventionnables sont plafond. Enfin, il y a un plafond de taux de subvention. Et, voilà, donc, je crois que c'était 80%. Oui, c'est ça. Ouais, hein. Hein. Mais là, si on est à 100%, ça donne quoi? On s'arrête à 80, de toute façon. On s'arrête à 80. Ah, oui, oui. Donc, ça ne sera pas donné. Xavier. Ma question est justement dans le sens de ce que vient de dire Christian de Courty. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Sylvain sur les sujets de réhabilitation thermique, le département a actuellement des aides bonifiées au niveau de la PCR à 70%. Et c'est vrai que si l'agglomération a attribué un même projet aidé par la PCR à 70%, 20% à côté, ça fait 90%. Monsieur Le Guen qui est parti, donc tant mieux, il ne m'entend pas, mais si les services font leur travail, ils vont écréter pour ramener qu'à 80% de subventions. Je gère aussi le budget du département, mais le département est là pour payer. Donc si l'agglomération peut faire une petite économie pour aider d'autres projets et donc se retirer un peu de cette partie rénovation thermique, puisque les communes vont être en situation d'écrêtement, je pense que ça peut être intéressant. Et l'exemple de Christian, où effectivement, il y a et le département à 50 et l'État potentiellement à 30, mais à condition que la citerne soit enterrée, et pas que ce soit une citerne souple, et potentiellement l'agglomération à 20, il y en a forcément un des établissements qui fera une économie, et si ça peut être l'agglomération, je pense que ça peut être intéressant aussi. Alors, c'est exactement ce que Christian et Xavier viennent de décliner. Tout l'enjeu de l'omniprésence de Florent Brunet aux côtés des élus et des secrétaires de mairie. Florent Brunet, qui est notre chargé de mission, moi ce que j'appelle le monsieur subvention, il est très très souvent, et de plus en plus de maires le contactent pour justement essayer de trouver des sources de cofinancement. Et il y a une certaine régulation qui se fait naturellement en disant, là, on va peut-être avoir un maximum, c'est pas la peine d'y aller. Mais voilà, moi, je suis ouvert à tout ça. Quoi. Je veux dire, il faut qu'on redémarre ce mandat. On ouvre peut-être des pistes nouvelles. Mais c'est clair qu'on n'est pas obligé d'aller à l'agglo à 80 si les collègues ont des financements par ailleurs. Donc, entre les fonds leaders, entre les fonds du département, entre les fonds... voilà. OK, on délibère là-dessus? Donc, est-ce que vous êtes favorable? Le scrutin est ouvert. Voilà, délibération adoptée à l'unanimité. Je vous remercie pour les maires, pour les communes, pour le territoire. Et sans plus tarder, on va passer la parole à monsieur le vice-président en charge de l'aménagement de l'espace, monsieur Targa. Chers collègues, bonsoir. En réalité, je m'interroge toujours sur comment je vais vous présenter les choses pour que ce ne soit pas trop long et compréhensible pour tout le monde. Le 18 mai, en commission intercommunale des maires, en conférence intercommunale des maires, nous avons passé un peu plus de 2 heures à parler du SCOT et du PLUI.
vous étiez nombreux à cette conférence intercommunale. J'ai juste un doute. Je sais qu'il y avait tous les maires, la commission aménagement. Et je regarde Isabelle, ma mémoire me fait défaut sur la commission habitat. Je ne sais plus si elle était invitée ou pas. Oui, c'est bien. Alors, merci. Et il y avait également les membres du bureau. Donc, on est rentré dans le détail de la loi, de la réglementation. Ce que je vous propose ce soir, c'est de vous présenter cinq diapos qui vont à la fois concerner le schéma de cohérence territoriale et le PLUI. Et ensuite, je reviendrai sur chaque délibération en apportant quelques précisions sur chaque délibération. Si ce modèle vous convient, merci. Je pense que c'est Laetitia Deneux qui est aux commandes pour les slides. Et puis, on accueille aussi Anaïs Pittel et Alexandre Fruchard, qui sont dans la salle, en haut, et qui sont bien meilleurs techniciens que moi. Et heureusement, chacun doit faire son travail. Je ne verrai pas Anaïs chez Enedis non plus. Donc chacun son truc. Oh, c'est assez étonnant, hein, le recrutement. Quelquefois, oui, c'est une facilité d'adaptation. Je pense qu'elle pourrait faire. Alors voilà, le slide, alors je ne sais pas si... Ok. Alors, ce slide, c'est la cartographie que vous connaissez bien, puisque c'est la cartographie de notre territoire. Je ne sais pas si vous voyez, si Thierry, par exemple, tu vois ? Oui, ok. Okay. Donc, on retrouve ici tous les documents qui existent sur notre territoire. Vous voyez, 6 PLUI, alors l'Intercom, le Pays de l'Orbiquet, l'Ivaro, Trois-Rivières, Vallée d'Auge, Cambremer, phase 1, phase 2, 5 PLU, plan local d'urbanisme, 3 cartes communales et 6 RNU, règlement national d'urbanisme. Vous voyez, c'est assez florissant, les modèles que nous avons sur nos territoires. Je continue. Alors, n'hésitez pas éventuellement à poser des questions au fur et à mesure. Les enjeux, l'origine et les enjeux de la démarche. Donc, l'élaboration du SCOT et du PLUI, c'est l'opportunité de faire un territoire, un diagnostic commun, partagé, un état des lieux et trajectoire. D'ailleurs, pour ceux qui étaient présents lorsque Patrice Duny et Anthony Hubert nous ont présenté ce qui se passait sur Caen Métropole, alors il faut raison garder par rapport au territoire, mais la stratégie technique est toujours la même. Ils nous ont dit le passé, c'est le passé. Il faut certes le regarder, mais il ne faut pas passer trop de temps à le regarder. Il faut construire l'avenir. Donc ça, je pense que dans la philosophie, c'est important de regarder devant avec, bien sûr, le passé, mais il ne faut pas s'attarder. Doter l'agglomération d'un projet d'aménagement de territoire et renouveler, harmoniser les règles d'urbanisme. Autant de documents d'urbanisme, pratiquement autant de règles différentes. Donc ça concernera plutôt le PLUI qui sera décliné en règlement et cartographie. Harmoniser les règles, donc OK. Créer un instrument au service du projet politique des élus, donc ça va être notre instrument. Alors certes, il va être cadré, notre instrument. Et décider collectivement, élus et habitants, du devenir souhaitable du territoire à l'horizon 2040. 2040, ça fera 15 ans, hein, on verrait tout à l'heure. Je vais vous présenter une carte. Moi, j'espère et je souhaite fortement, le président va dans ce sens, et vous êtes nombreux à le souhaiter, que ce SCOT et ce PLUI se réalisent pendant ce mandat. C'est toujours compliqué de reporter à un autre mandat les décisions définitives. Prendre en compte les dernières évolutions législatives également. Alors, je vous les cite, elles ne sont pas toutes là, hein, je vous rassure. La loi Grenelle 2 de juillet 2010, pour intégrer les objectifs de développement durable, l'ordonnance de modernisation des SCOT de juin 2020. Alors, entre autres, cette ordonnance de modification des SCOT, schéma de cohérence territoriale, c'est la dernière fois qu'on le fait au même périmètre que l'aglo. Et le préfet, d'ailleurs, on a un courrier nous autorisant. Enfin, le président avait écrit au préfet, disant, Monsieur le préfet, pouvons-nous engager ce SCOT sur le même territoire ? Et oui. Oui, mais c'est la dernière fois, puisque les fois suivantes, il faudra que le SCOT soit élargi à d'autres territoires. Il faudra plutôt parler en bassin de vie. Alors, pas facile hein, de déterminer les bassins de vie. La loi climat et résilience en préparation, ça, vous en entendez parler. Enfin, il y a quelques allers-retours entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Je ne voudrais pas parler d'inquiétude. Parce que ça peut être aussi une autre manière de regarder l'urbanisation. Mais par exemple, la zéro artificialisation nette,
il faudra, dans les 10 ans qui viennent, diminuer par 2 la consommation de l'espace. À l'horizon 2050, il faudra 0 consommation nette. C'est-à-dire que si on doit prendre 1 mètre carré, il faudra rendre 1 mètre carré. Mais 1 mètre carré d'urbanisé. Impact notamment sur les possibilités d'ouverture des zones à urbaniser. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a quelques zones, enfin, l'ex-CDC de Cambremer qui a rejoint l'agglomération, qui était dans l'ancien SCOT Nord-Pays d'Auge, et qui se retrouve dans notre SCOT, mais là où il n'est pas applicable. Donc il va aussi intégrer ces communes. Le slide, je crois qu'on va être à 4. Oui, c'est ça. Vous ne voyez pas, là? Si, quand même. Ah, bien. Super. Donc, prescrire la révision du SCOT pour répondre aux obligations du Code de l'urbanisme. Alors, le SCOT a été approuvé, et ça, vous êtes ici nombreux à le savoir, le 24 octobre 2011. Alors, l'article 143.28 du Code de l'urbanisme impose de procéder à l'évaluation du SCOT 6 ans après son approbation et de délibérer sur la nécessité de le réviser. Donc, l'évaluation a été réalisée, présentée en Conseil communautaire du 19 octobre 2017. Et le bilan a notamment relevé la nécessité de réviser le SCOT afin de le mettre en compatibilité avec les évolutions réglementaires et les documents de rang supérieur. Prendre en compte les évolutions de périmètre du SCOT, prendre en compte les enjeux de territoire émergent. Alors, le Conseil communautaire a voté le 19 octobre 2017 en faveur de sa révision, mais la délibération de révision vaut pas. Enfin, on doit aujourd'hui prendre une prescription de la révision du SCOT et il est nécessaire de délibérer dans ce sens. Alors, prescrire pour le SCOT, ça va jusque-là? Schéma de cohérence territoriale. Alors, si, ce qu'il faut que je vous dise quand même, c'est que le SCOT, il va donner les grandes orientations de notre territoire économique, habitat, enfin un lien avec le plan local de l'habitat. Il va donner le sens de l'agriculture, de ce qu'on souhaite, comment notre territoire, on l'imagine. Alors, il y a déjà eu des ateliers au mandat précédent sur à quoi ressemble notre territoire. On va y venir dans quelques instants. Alors, prescrire l'élaboration du PLUI. Donc, OK pour le SCOT. Le SCOT, c'est un schéma qui va dire voilà ce que je pense de mon territoire dans 20 ans. Le PLUI, lui, il va mettre en musique le SCOT. C'est-à-dire on va avoir de la cartographie, du règlement. Et ce qui va se permettre au maire, d'ailleurs, de délivrer les autorisations d'urbanisme. C'est clair, ça? Si jamais quelqu'un a une explication plus rationnelle ou autre, n'hésitez pas. À compter du 1er janvier 2022, donc toute révision générale, c'est ça aussi qui a amené dans les choix hein, de faire ce PLUI hein, au niveau de l'agglomération, toute révision générale d'un document de planification du territoire entraîne l'obligation de prescrire un PLUI d'agglomération. C'est donc l'article L153.3 du Code de l'urbanisme. Et plusieurs facteurs peuvent entraîner la révision générale du document du territoire. Projet d'intérêt majeur, nécessitant de faire évoluer un document de planif, ancienneté d'une bonne partie des documents de planif. On pourrait également parler de déséquilibre du PADD, projet d'aménagement développement durable. Alors, PADD, on s'était habitué à quelques noms comme ça, le projet d'aménagement de développement durable, c'était facile, on s'était bien intégré. Alors pour le SCOT, il va s'appeler le PASS. Le PASS, c'est le projet d'aménagement stratégique. Il fallait bien changer. Hein. On va garder pour le PLUI le PADD et pour le SCOT, on va parler du PASS. On va arriver. Alors, ça, vous retrouvez dans chaque délib. Ces principes-là, sur un territoire vivant, attractif, un territoire résilient et préservé, un territoire authentique et un territoire pilote des transitions et expérimentations en milieu rural et urbain. Les moyens d'information. Les moyens d'information. Alors, notamment vers le public, vous verrez tout à l'heure comment on va travailler. Les moyens d'information sur Internet, c'est la page dédiée permettant aux habitants de s'informer, documents permettant d'aller plus loin dans l'appropriation, au pôle aménagement, un dossier mis à disposition du public,
par voie de presse, information des étapes clés de la procédure, information dans les bulletins de la CAL. Les communes qui souhaitent pourront intégrer et les relayer pour éventuellement demander un condensé pour que vous puissiez mettre dans vos bulletins. Alors, je vous invite à le faire dans vos bulletins communaux parce que souvent, en cas de recours, il pourrait vous être reproché de ne pas avoir communiqué. Et j'invite chaque maire qui a de la communication de le faire. C'est un moyen de plus de montrer notre bonne volonté d'échanger et de porter à connaissance. Et puis, il y aura aussi des moyens de participation, possibilité de formuler des observations dans les registres, une ou plusieurs directement par courrier, des réunions publiques de concertation et d'échange. Ici, on va voir, vous voyez, 2021, nous y sommes. 2026, ça ne serait tardé, mais prenons le temps. Allez-y. Voilà. Prescription du SCOT, donc c'est aujourd'hui, au 30 juin. On imagine un arrêt SCOT fin 2024 avec une approbation début 2026. Vous avez donc le diagnostic qui va se faire également pour le SCOT et le PLUI. Donc le PLUI, c'est la ligne du dessous, la prescription. Vous retrouvez le timing SCOT en haut, le timing PLUI en bas. Donc le projet politique 2023, pratiquement pour les deux, le règlement SCOT 2024, le règlement PLUI 2024-2025 et approbation, consultation, alors arrêt SCOT 2024-2025, avec des approbations PLUI et SCOT en 2026. Pour tenir ce challenge, ce timing, on va avoir pas mal de réunions, beaucoup de réunions. On fera en sorte que vous puissiez participer, d'échanger, des réunions publiques. C'est un travail fastidieux, mais un travail qu'on doit réaliser, parce que si on n'échange pas, si vous n'êtes pas partie prenante, il y a toujours de la déception, de l'incompréhension. On fera en sorte que ce ne soit pas le cas, même si par habitude, moi ça fait 26 ans que je suis élu, j'ai fait un poste, un PLU, un PLUI, toujours quelques déceptions, les règles sont grandissantes, les contraintes sont de même, donc forcément, ça n'ira pas toujours comme on souhaite, nous, élus, mais on partagera et on comprendra les problématiques. Ensuite, j'avais quelque chose sur la hiérarchie des normes, mais je crois que ça n'a pas pu être intégré. Je m'y suis pris un peu tardivement. Ce que je vous propose, c'est que ce document vous soit envoyé. Oh, j'avais juste résumé quelques normes en positionnant le SCOT et le PLUI et dire quels étaient les documents supra, en amont et en aval. Alors, vous avez le STRADET, le schéma régional d'aménagement, développement durable et d'égalité des territoires, le SDAGE en cours de révision, schéma directeur d'aménagement et de la gestion des eaux. Je crois que le SDAGE, c'est pour 2022, mais là, il y a peut-être des spécialistes. Le SCOT, donc on retrouve ensuite le SCOT. Et après, on va trouver le PCAET, le PLH et le PLUI. Bon, voilà, vous aurez ces quelques éléments. Alors, il n'y a pas que cela. Il y a un autre tableau qui est juste imbuvable. Voilà un peu sur cette présentation qui est... Enfin, je ne sais pas, est-ce que ça vous met en lumière ce qu'est le SCOT et le PLUI? C'est très bref, certes. Et ça vous parle? Oui? Enfin, n'hésitez pas, on est vraiment entre nous. Hein. Si. Oh, si. Je vais passer. Je crois qu'on prend deux. Enfin, je suis sûr, on prend deux délibérations, le SCOT et le PLUI. Alors, on ne va pas voir la délib du SCOT, mais vous l'avez sur vos tablettes. Hein, c'est celle qui était dans le point. Je crois que c'est le point 9. Alors, je passe tout le résumé que je vous ai fait pour aller sur les modalités de collaboration de l'EPCI avec les communes membres et le rôle des conseillers municipaux et des communes. Donc, l'idée, c'est de co-construire avec vos conseils ces documents, débattre sur les orientations générales du projet d'aménagement stratégique, le PAS, ça en est bien sur le SCOT. Donc, il va y avoir ensuite un comité de pilotage, un COPIL du projet, donc SCOT-PLUI, un COPIL commun. Ça, c'est le portage politique. Il va y avoir un comité technique, un COTEC, c'est le portage technique. Il va y avoir des groupes de travail thématiques et ou géographiques.
Alors, bien sûr, la commission aménagement et les, tous les vice-présidents associés, que ce soit de la mobilité, de l'environnement et d'autres, économiques, enfin, c'est vraiment transversal, hein, faut que tout le monde se parle. Il va y avoir des séminaires d'information, d'échange et de concertation, et voilà pour les modalités de co-construction. Les objectifs poursuivis, vous les retrouvez, mais c'est ce qui vous a été aussi brièvement présenté. Il va y avoir d'autres moyens d'information, ça c'est fait. Et les moyens au public aussi pour débattre et échanger. Il va y avoir des registres. D'ailleurs, cette délibération, vous allez devoir l'afficher dans vos communes dans les jours qui viennent. Il y aura aussi des choses par courriel. Il va y avoir sans doute une page dédiée sur le SCOT et le PLUI. Enfin, c'est en cours d'élaboration sur notre site. Ah si, quand même, des choses importantes. Vous autoriserez aussi le président à faire des demandes de subvention auprès de l'État et de tout organisme susceptible de venir financer notre SCOT. Ce sera la même chose pour le PLUI, hein, d'ailleurs. Et puis ensuite, il y a toutes les personnes publiques associées qui seront prévenues et qui auront aussi à élaborer ce travail. Je pourrais continuer, mais c'est pas mal déjà. Est-ce que vous avez besoin d'éclaircissements, de points particuliers ? Ne me dites pas que j'ai été assez clair, ou alors vous... Si, si, alors, moi... Moi, Gérard Baudouin a compris, hein, quand je dis ça, je dis rien. C'est pas sympa. Non, je pense que là, tout le monde va dire oui, oui, moi aussi. Non, si. Alors, n'hésite. C'est pas facile pour poser une question après ce que je viens de dire, je vous le concède. Je vais t'aider un peu, Dany, parce que oui. Là, tu rames. Mais... Ram. Non, mais c'est clair pour tout le monde. Quoi. Je veux dire, alors, il y a ceux qui ont déjà de l'expérience, donc tous ces termes-là, ils les connaissent, et les nouveaux qui font confiance aux anciens. Donc à partir de là, est-ce qu'on peut passer au vote ou est-ce qu'il y a une question ? On passe au vote. Dany, je te laisse faire le vote. Mignot a demandé la parole. Oui, Alain Mignot, Mignot. Je pense que, Dany, tu es confiant dans ton délai, mais pour avoir connu Serge Tougard du précédent PLUI de la communauté de communes Pays d'Auge, on n'a jamais tenu les délais. J'espère que tu les tiendras. C'est ce que je me souhaite et merci de le faire ensemble. Mais si on se dit, enfin, pour ceux qui me connaissent un peu, je ne sais pas programmer les choses au dernier moment. Enfin, j'aime bien que ce soit organisé. J'ai échangé avec Anaïs et Alexandre, et Alexandre, je crois que c'est avant-hier, sur dire on va caler un calendrier annuel des réunions. Parce que tu as raison. Si on ne se tient pas, enfin, si on ne met pas de la rigueur dans l'organisation, ça va, on va perdre un an, deux ans, trois ans. Donc ça dépendra aussi de nous et de notre réactivité à répondre et à faire. Vous savez, quelquefois, je ne sais pas combien coûte de téléphone faut passer, mais je sais bien qu'on a tous plein de choses à faire en tant que maire, mais un affichage dans une commune, tant qu'on n'a pas eu le retour de cet affichage, quelquefois c'est bloquant. C'est pas toujours facile d'obtenir. Alors, je sais, hein, y a plein de contraintes, mais c'est un détail parmi tant d'autres qui font qu'une procédure peut être retardée. Monsieur Desmond a demandé la parole. Merci. Un point que tu n'as pas précisé, Dany, c'est que justement le fait de mener conjointement la révision du SCOT et du PLUI, ça va permettre de mutualiser certaines procédures, ça va permettre notamment de diminuer les coûts. Et puis aussi de les adopter assez rapidement, parce que si on avait dû faire le SCOT en premier, attendre son élaboration et ensuite faire le PLUI, ça allait prolonger davantage. Donc l'idée de mener les deux en même temps, je pense qu'effectivement c'est le meilleur choix pour aller le plus vite possible. Après, c'est vrai qu'au niveau des délais, voilà, c'est des délais optimistes, mais on espère qu'ils vont être tenus, parce qu'on a besoin aussi de cette évolution du PLUI pour mener après nous des projets sur les différentes communes. Oui, c'est exactement ça. On s'est longuement posé la question de savoir si on devait le faire un après l'autre, mais ensemble, c'est beaucoup mieux. On est aussi sur une dépense importante, hein, puisque on parle d'un million d'euros. Hein, d'un million d'euros de dépenses. Hein, c'est ça, à peu près. Hein. Alors,
La version officielle, c'est 700 000, mais on sait que la loi climat résilience va nous amener des études supplémentaires. Donc, 1 million me semble raisonnable. Et il y a Frédéric qui commence à tendre l'oreille. C'est ça. Bon, on verra aussi les aides qui peuvent nous être octroyées. Merci de la précision, Jean-René. Je pense que tu devrais être à la commission aménagement. Mais j'aurais pu oublier d'en parler dans le PLU. Mais avant de passer la parole à Xavier, moi, je voudrais simplement insister sur un point, parce que l'urbanisme, pour avoir exercé un peu des fonctions dans ce domaine-là dans le passé, c'est un sujet qui intéresse toutes les communes. Il n'y a pas de petite ou de grande commune dans un sujet sur l'urbanisme. Quoi. Et c'est un des sujets majeurs de conflits, d'inquiétudes de nos habitants. On a le droit, on n'a pas le droit, la parcelle, on ouvre ou pas. Et Dani l'a dit, on va créer un copil. Alors, je ne sais pas comment tu vas faire. C'est difficile de faire un copil par commune, avec un membre par commune. Donc, il va falloir avoir une représentation des communes. Je ne sais pas comment, mais et les gens qui vont s'engager, parce que tu dis modestement, il va y avoir des réunions. Il va y avoir beaucoup de réunions qui vont être souvent en journée, puisqu'il va y avoir les collaborateurs de l'État et d'autres. Et les gens qui vont s'engager dans ce projet devront être assidus. Hein, parce que, on ne peut difficilement imaginer de faire une réunion sur quatre compte tenu de l'actualité de ce projet-là. Quoi. Et en termes de délai, c'est vrai que c'est mieux de pouvoir, même si, Alain, je partage un peu ton inquiétude, c'est quand même mieux. Dans l'Assemblée, on a des tas de gens qui maîtrisent ces sujets-là. Ce n'est pas que ceux qui arriveront après nous sont moins bons, mais au moins, on a l'expérience déjà du passé. Quoi. Xavier. Trois sujets rapidement. Le premier sur le calendrier que j'ai vu est prévu une adoption plutôt fin 2026. Alors je pense que ce sera compliqué de contraindre les délais. C'est toujours délicat de le faire au début d'une nouvelle mandature, parce que si on a un fort renouvellement du conseil communautaire, on peut avoir des avis divergents qui remettent un peu en cause le travail qui a été fait précédemment. Donc dans beaucoup de, enfin, lorsqu'on a fait un PLU sur le secteur de Cambrai, on l'avait adopté 15 jours avant les élections municipales. Alors certains diront que ce n'est pas démocratique de voter 15 jours avant les municipales, mais on avait tout fait pour, et je sais que ça avait été fait ailleurs dans d'autres territoires, pour le faire en fin de mandat, pour que ceux qui ont été amenés à travailler puissent adopter le projet, pour ne pas remettre l'ouvrage sur le métier en tout début d'élection, en tout début de mandat. Deuxième sujet, j'ai reçu un SMS pour savoir si le département pouvait aider ce projet-là. La politique du département a toujours été d'aider les territoires à se doter de leur premier document d'urbanisme. Ça tombe bien, c'est le premier de l'agglomération. Oui, alors vu comme ça, oui, non, mais merci Xavier. C'était pris à l'échelle de la commune à l'époque pour favoriser les PLU à échelle intercommunale, mais en tout cas le premier document d'urbanisme par commune. Donc, enfin, pour l'instant, il n'y a pas. Ça se défend, ça. Mais ça peut se. Oui. Ça peut se. Sébastien, ça peut défend, se regarder. Ça peut se regarder effectivement, soit financièrement, soit en ingénierie, pour éviter de faire la part belle à des cabinets qui, parfois, ont des tarifs assez larges. Troisième point, de par ma modeste expérience, parce que j'ai déjà participé au PLU de ma commune, associer les membres, les représentants de l'État, oui, c'est très bien. Essayons d'avoir des écrits de leur part, parce que je me souviens de certains PLU où les services de l'État étaient présents, ils disaient oui de la tête. Et au moment où il y a eu le contrôle de l'égalité ou la vie des personnes associées, le même État, c'était quelqu'un qui s'appelait Monsieur YS à la DDTM, je dirais pas qui c'est. YC, je connais, YS. YS. Ça a remis tout dans l'air. Ouais. Donc, on en rigole, mais Dany a dit 700 000 euros, voire 1 million d'euros. Et c'est le juge final. Hein. Ouais. Parole des services de l'État, c'est le juge final. C'est ça. Donc, les associés, oui, qu'on fasse des comptes rendus et qu'on leur sorte des comptes rendus si un jour ils nous disent le contraire de la position qu'ils ont tenue. Christian Anne, qui siège dans une commission départementale, me disait l'autre jour que vous avez déjà évoqué le projet de PLU de l'agglomération et il y a eu un préfléchage de 100 000 euros, c'est ça ? C'est ça, dans un premier temps. Et là, on a obtenu, c'est pour le SCOT, 20 000 euros hein, sur l'année dernière. Ouais. OK, on vote ? Non, Christian. Et Gérard. Oui, Christian de Courtilamine. Juste une remarque pratique. Pour certains d'entre nous, on a vécu le PLU de l'intercom, hein,
hein, avec un cabinet d'études. Une seule chose, là je m'adresse à Danis, c'est que au niveau des cabinets d'études, il faudra cette fois-ci qu'on soit bien écouté, hein, qu'on soit une petite commune ou une grande commune, je dirais peu importe, mais qu'on soit écouté parce que on avait été invité, ça avait duré une heure et demie, et puis on n'a rien retrouvé, pratiquement rien retrouvé, transcrit dans le document après quand même. Hein. Donc il faut que la synthèse finale ressemble un petit peu à ce que l'on a pensé. Alors, j'étais pas là, mais pour en avoir longuement parlé avec Serge Tougard, Alain qui fait. Serge a mouillé le maillot là-dessus, enfin, il a été très investi. Ouais, c'est ça, et je crois qu'il avait, à la fin de la procédure des ultimatums posés par l'État, il y avait eu des choix un peu à faire, un peu peut-être dans la précipitation, mais effectivement, le bureau d'études apparemment tenait bien la plume à la place des élus par moment. Gérard. Oui, Gérard-Louis Belvy. Bah, j'en rejoins tout à fait Christian dans cet esprit-là. Attention de ne pas se faire tenir la main. Je sais que Dany y veillera. Là-dessus, j'ai pas de souci. Par contre, ce que je voudrais insister sur, c'est sur l'implication de nous tous dans cette affaire, parce que c'est vraiment du coût humain qu'il faut faire. Et là, on prend une échelle supérieure encore. Quand on a fait nos PLU communaux, on avait déjà du mal. Des PLUI, ça a été plus compliqué. Et là, on met une échelle au-dessus. Donc il va falloir s'engager, mais c'est beaucoup de temps à chaque fois, mais c'est indispensable pour notre territoire. On constate en réalisant nos PC et compagnie actuellement qu'on a encore fait beaucoup d'oublis. Je ne veux pas dire d'erreurs parce qu'on l'a fait avec la bonne volonté qui nous anime, mais on a beaucoup d'oublis et il faudra être de plus en plus précis, notamment dans le milieu rural. On partage. Tout à fait. Faut tenir le timing, faut pas se précipiter, mais faut être rigoureux dans les échanges. Et chaque commune aussi doit observer ce qui se passe. On doit regarder les règlements. On part pas de rien. On a quand même une expérience. Enfin, vous avez de l'expérience, on a de l'expérience. Et c'est ce partage qui va faire que ce travail difficile, complexe. Il a encore gagné 5 euros, ça va nous coûter un peu moins cher. Au combien plus difficile aujourd'hui qu'hier, devra se réaliser dans les meilleures conditions. Si, et juste pour Xavier, pour le conseil départemental, il y a quand même 9 communes qui n'ont jamais eu de PLU. Enfin, une PLU. Donc il y en a au moins 9 fois 100 000, ça fait 900 000. Bien, on vote, Dany, s'il te plaît. Je vous invite à voter. Allez, le scrutin est ouvert. Allez, c'est fait. À l'unanimité, félicitations, Dany. Ton explication était limpide. Merci. Alors c'est plus facile ce soir. Tu poursuis sur le point 10. 10, alors c'est la même chose. Un contexte réglementaire identique, mais cette fois-ci pour le plan local d'urbanisme intercommunal. Tout à l'heure, c'était le SCOT. Là, c'est le PLUI. On retrouve des trames identiques à ce qui vous a été présenté. Il fallait d'abord voter le SCOT pour décliner ensuite un PLUI intercommunal. À la place du PAS, du projet d'aménagement stratégique, ce sera le PADD, projet d'aménagement et de développement durable. Et là, c'est vraiment le règlement et la cartographie. On cartographie les zones. Il y a chaque zone correspondait à un règlement. Et c'est le document qui permet au maire d'accorder ou pas les permis de construire, les autorisations d'urbanisme. Les modalités de concertation sont identiques. Les échanges avec les commissions, les séminaires d'info, c'est identique. Demande de subvention, c'est identique. Les moyens offerts au public, c'est identique. Le courriel. On a aussi des associations locales d'usagers agréées par la préfecture qui pourront venir regarder nos travaux et s'associer à nos travaux. Donc ce sera affiché. Je crois que j'ai d'autorisé, c'est bon. Il y a juste une coquille où on répète deux fois dans la délibération à la fin, une petite dizaine de lignes, on répète deux fois du PLUI, d'agglomération de la CAL.
Bon, il y a juste à barrer, à enlever du PLUI, puisque c'est une coquille. Alors là, pour le coup, c'est rapide. PLUI, plan local d'urbanisme intercommunal. Alors, je reprends quand même les propos de Jean-René sur la mutualisation. Mutualisation aussi des ressources, et d'ailleurs, et d'élus aussi, COTEC. Mais il y aura bien des moments spécifiques, SCOT et PLUI, pour ne pas se prendre les pieds dans le tapis. Donc, surtout, quand on s'y habitue un peu, on sait faire la différence, mais pour nos concitoyens, il faudra bien expliquer, enfin, faire les choses dans l'ordre, SCOT et PLUI. Et bien sûr, j'oublie pas le PCAET, le plan local de l'habitat qui va venir tout de suite derrière, et d'autres règles. Ok. Alors, des questions. Oui. Moi, j'ai simplement un point à rajouter. Quand on a commencé à réfléchir avec Dany sur les options à prendre sur la fusion des deux projets, Dany m'a dit, mais de toute façon, si on s'engage dedans, moi, j'ai pas dans mon service, dans le service qu'il anime, les moyens humains pour le faire. Un mot quand même là-dessus. Oui, effectivement. Ça va être un travail considérable, vous le savez, pour ceux qui ont pratiqué, énorme. On a besoin de produire et ne pas laisser les cabinets qu'on va pouvoir utiliser juste nous faire un compte-rendu et dire voilà la ligne qu'il faut suivre, il faudra regarder et qu'il n'y ait pas d'erreur. Vous savez, aujourd'hui, quand on fait quelques modifications des PLUI, il y a une relecture systématique et là, je crois qu'il y a des échanges avec la cellule marché pour qu'il n'y ait pas ce travail à refaire à chaque fois, mais il y en a quand même à suivre. Et j'ai souhaité avoir un chargé de projet, Scott PLUI, qui viendra épauler Alexandre Fruchard sur l'élaboration de ce Scott et de ce PLUI pendant le reste du mandat. Et j'ai rencontré d'abord Bruno Le Boucher, ensuite Frédéric et Sandrine. Et c'est quelque chose qui est inscrit et qui est acté. Le recrutement est en cours. C'est effectivement un des postes qui avait été préfléché lors de la préparation du budgétaire. Mais on imagine bien le profil de quelqu'un. Ça va être énorme. Bien. On vote sur le rapport 10 ou s'il y a des questions. Oui, il y a pas de questions. Si, Christian. Non. Non, non, on vote. Non, Christian, il montait sa zapette pour voter. Ok, à l'unanimité, Dany, le carton plein. Alors, on poursuit l'ordre du jour et là, on va passer, on va rester, non pas dans le même domaine, mais un peu quand même. Isabelle Leroy, point 11. Oui, tout à l'heure, donc, nous venions parler du PLUI, maintenant nous allons parler du PLH. Donc, au titre de sa compétence obligatoire d'équilibre social de l'habitat, l'agglomération de Lisieux doit se doter d'un programme local d'habitat, donc le PLH, qui couvrira l'ensemble de son périmètre. Et le PLH viendra alimenter le PLUI. Alors, qu'est-ce que le PLH ? Voilà. Donc, le programme local d'habitat est un document stratégique de programmation en matière de politique du logement au niveau local pour une durée de 6 ans. C'est un document essentiel d'observation, de définition et de programmation des investissements et des actions en matière de politique de logement à l'échelle du territoire, d'un territoire intercommunal, et un document résultant d'une dynamique collective pour son élaboration et sa mise en œuvre. C'est-à-dire que là, il y aura une concertation, bien sûr, avec les communes membres, l'État, les professionnels du logement public et privé et associations. Donc là, effectivement, nous aussi, au niveau de la mise en place de ce PLH, il y aura besoin également de réunions et il y aura un gros travail à réaliser. Ce PLH, en fin de compte, constituera une feuille de route
pour 6 ans de l'ensemble de la politique locale de l'habitat, c'est-à-dire qu'on travaillera sur les constructions neuves, l'amélioration de l'habitat existant, l'accès au logement, la lutte contre l'habitat indigne. Il prendra en compte également l'ensemble de la chaîne résidentielle, c'est-à-dire on peut se poser la question, est-ce que le territoire répond aux besoins des habitants au niveau du logement ? Donc on parlera des logements adaptés, l'habitat social et privé, l'accueil des gens du voyage. Il identifiera également les besoins des ménages aux différentes étapes de leur vie, c'est-à-dire lorsqu'on est étudiant, jeune, famille, tout au long de notre vie. Il favorisera la cohésion sociale, intergénérationnelle et territoriale. Et ses objectifs et ses principes tiendront compte de l'évolution démographique et économique. Il y aura besoin, bien sûr, de collaboration, donc collaboration avec les communes membres. Donc nous aussi, on organisera des réunions connaître les besoins, les avis des communes. Donc, de notre côté aussi, il y aura des réunions donc, à prévoir. Il y aura l'association obligatoire de l'État, parce qu'il y aura la constitution du porté à connaissance. Donc, l'État doit nous délivrer normalement dans les 3 mois après la transmission de la délibération. Il y aura aussi l'intervention des personnes associées. Donc plusieurs personnes qualifiées, des professionnels du logement, seront invitées à nos différentes réunions. Il y aura également la concertation avec les habitants. Donc ça, c'est un souhait de concerter avec les habitants pour faire connaître le document et partager les enjeux du territoire en matière de l'habitat. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est un document, c'est un programme, en fin de compte, qui viendra alimenter le PLUI. Nous, on n'est pas là, en fin de compte, pour du tout le zonage, mais on parle bien uniquement de l'habitat, déterminer, en fin de compte, les besoins en fonction des collectivités. Chacun, petite commune, n'a pas les mêmes besoins que les grosses collectivités. Donc voilà, il y aura un très beau travail à réaliser. Donc ce soir, la délibération, c'est d'accorder en fin de compte la possibilité de lancer en fin de compte la procédure d'élaboration du PLH. Voilà. J'ai essayé de synthétiser au mieux. Ça s'éclaire, Isabelle. Est-ce qu'il y a des questions à poser à Madame Leroy? Madame Petit. Donc, c'était pour savoir s'il y avait un calendrier d'élaboration. Est-ce que tout à l'heure, on a eu une présentation par rapport au SCOT avec une échéance calendaire. Est-ce qu'il y en a une au niveau de... Alors, normalement, le PLH, notre programme sera établi dans les 18 mois. On a 18 mois pour l'établir. Pas d'autres questions ? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. C'est encore un gros chantier qui s'ouvre, ça, hein, avec beaucoup de travail derrière. Les élus vont être très sollicités. Hein. Clotilde et Madame Vérac, s'il vous plaît. Bah oui, si Madame Vérac ne vote pas ça, ça va pas le faire. Allez, à l'unanimité, merci Isabelle, et je te laisse poursuivre sur le point 11. Le 11, c'est fait. Non, bah c'est bien. C'est donc Sébastien qui va nous présenter le point 12 et 13.
Merci, Président. Donc, j'ai l'honneur de vous présenter le rapport politique de la ville de 2020, une année particulière pour ce rapport politique. Il y a néanmoins une enveloppe qui avait été attribuée par l'Agence nationale de la cohésion des territoires d'un montant de 150 000 euros, auquel on ajoute l'enveloppe du Conseil départemental pour l'année 2020 de 15 000 euros. La répartition de l'enveloppe des 150 000 euros est à faire pour partie et pour 70 000 euros dédiés au programme de réussite éducative et le restant à ventiler pour les autres actions du contrat de ville. Je le disais, c'est une année impactée par la crise sanitaire liée au Covid. L'État a versé des fonds supplémentaires pour permettre l'achat d'équipements informatiques pour les familles, donc 15 familles du quartier prioritaire de la ville, identifié par le PRE, ont pu bénéficier d'ordinateurs et de tablettes. Il y a quand même eu des manifestations. Les quartiers d'été avec handball de rue qui a été porté par le CAL Handball, du temps pour soi porté par le CDIFF, les animations d'été du centre socio-culturel, la science en bas de chez toi et un accompagnement à la mise en place d'animations socio-sportives par l'UFOLEP. Sur cet été, nous avons eu l'écolo apprenante et 3 jeunes du PRE ont pu y assister. L'écolo apprenante d'automne ont été suivies par 5 jeunes du PRE. Un fonds d'urgence destiné en priorité aux associations de proximité a été dédié au quartier solidaire, avec 4 priorités identifiées, l'éducation et la lutte contre la fracture numérique, la santé et l'aide alimentaire, l'insertion professionnelle et la culture. La crise sanitaire a dû nous obliger à adapter nos actions pour partie. Certaines ont été reportées, d'autres annulées. On a, vous en souvenez, vécu la fermeture des structures au public, mais le télétravail a été mis en place afin de maintenir le lien avec les habitants. Ce lien s'est fait par le téléphone. Il y a lieu autant que possible du lien en présentiel, en individuel et en groupe restreint dès que cela a été possible. La conséquence de la crise sanitaire pour les habitants. Tout d'abord, on a pu noter une solidarité plus importante entre les personnes, avec notamment l'impression de documents que les familles pouvaient se remettre. La participation course, il y a eu aussi des forums de discussion. Il y a des inconvénients, l'augmentation du sentiment d'isolement, des difficultés économiques, l'aggravation des contextes familiaux fragiles, des épisodes d'incivilité au moment des confinements, des liens ont néanmoins pu se tisser entre les professionnels et les habitants, notamment grâce à du porte-à-porte mis en place par les services de la ville. Quelques exemples d'actions de proximité en direct du public. Bouge dans ton quartier, l'édition 2020 a été adaptée avec des groupes très restreints. L'animobile, c'est le minibus qui se déplace dans les quartiers pour maintenir le lien avec les jeunes. Et le réseau lexovien d'échange réciproque de savoir a été aux côtés des différentes actions dans les quartiers, permettant le développement social et le maintien du lien. Il y a eu la mise en place de groupes de travail de santé et parentalité. Pour ce qui est de la santé, des réunions ont pu se tenir en visioconférence en 2020 afin de continuer à avancer sur la démarche. Il a été proposé 2 journées de sensibilisation en direction des professionnels aux compétences psychosociales. C'était au mois de novembre, les 23 et les 24. Pour ce qui est de la parentalité, il y a une proposition d'une session du programme de soutien aux familles et à la parentalité qui avait été mise en place et cette démarche sera relancée en 2021. Pour ce qui est du programme éducatif lexovien, malgré la situation sanitaire, 155 acteurs éducatifs ont participé activement à ce programme éducatif lexovien et ont poursuivi ainsi la mise en cohérence des différents dispositifs au travers de 6 axes. Favoriser la réussite éducative scolaire et professionnelle, favoriser l'autonomie, l'esprit critique, la prise en compte des différents enjeux dans la société, lutter contre toute forme de discrimination,
favoriser l'égalité des chances, développer la prévention précoce, la prévention des conduites à risque, faire participer les enfants, les jeunes et les familles, favoriser la cohérence éducative, la formation et les rencontres entre acteurs éducatifs. Pour ce qui est du PRE, programme de réussite éducative, lors du premier confinement, ça a été suspendu. La suspension des équipes de soutien au PRE. Toutes les interventions à domicile ont été suspendues. Les rendez-vous des familles ont été suspendus. Et les ateliers de langage, les manipulations et la médiation animale ont eux aussi été suspendus. Il y a eu la continuité du lien avec les familles et les partenaires grâce au télétravail, mais aussi en présentiel dès que cela était possible. Je l'ai dit, le PRE a pu bénéficier aussi du maintien du lien par téléphone avec l'intégralité des familles accompagnées. L'école apprenante, j'en ai parlé, 8 enfants sur l'été et l'automne, et 77 enfants et jeunes ont été suivis en 2020 dans le cadre du PRE. Pour ce qui est du volet emploi-insertion, il y a une activité collective d'insertion sociale et professionnelle avec le CIDFF. L'action a pour but de lever les freins à l'insertion professionnelle des personnes très éloignées de l'emploi en repérant un réseau de partenaires ressources, centres de formation, lieux culturels, mais aussi en proposant un travail sur soi-même d'introspection et de valorisation. Sur les 15 femmes inscrites, 11 participantes ont poursuivi leur participation malgré les différents reports liés à la COVID-19. Il y a aussi la bourse insertion jeune. Cette bourse insertion jeune a permis de résoudre rapidement les freins matériels simples des jeunes à la recherche d'emploi en finançant des dépenses ponctuelles, carburant, tenue professionnelle, heures de conduite, aide à l'installation dans le logement. Ça a concerné 20 jeunes et c'est en lien avec la mission locale. Pour ce qui est de la problématique de l'hébergement d'urgence, plusieurs pistes de réflexion sont en cours pour diversifier les offres et réduire le temps de passage. Dans ce rapport politique de la ville, on a une convention d'utilisation de l'abattement de la taxe foncière sur le bâti avec les bailleurs sociaux. Pour ce qui est d'Inolia, qui possède 1006 logements à Lisieux. Ils ont un abattement de 225 500 euros. Ils ont mis en place des actions à hauteur de 178 995 euros. Pour ce qui est de Partelios, 480 logements à Lisieux, 108 000 euros d'abattement. Et ils ont engagé 91 900 euros d'action. Et la Sagim, 208 logements, 62 600 euros d'abattement, 66 000 euros d'action réalisés. À la demande du préfet, de nouvelles actions vont être mises en place et ajoutées sur l'axe 5, qui est l'axe de la tranquillité résidentielle, avec des actions à mettre en place sur fin 2021 et 2022. Et un diagnostic en marchant a eu lieu le 31 mai afin de recenser les besoins sur cette thématique. Voilà, Président, pour ce qui est du point que vous me proposiez de présenter. Et vous retrouvez tout ce rapport complet dans la délibération. Ok. Est-ce qu'il y a des questions à poser à Sébastien sur ce qu'il a présenté ? Non. Donc, on soumet au vote le rapport, Vincent, ou c'est importé à connaissance ? C'est importé à connaissance ? On peut quand même voter ? Ok, donc on approuve, donc c'est qu'on vote. Ouais. Ok, donc le scrutin est ouvert. D'accord. Alexandra a perdu sa zapette. Donc, à l'unanimité, le rapport qui a été présenté est adopté. Alors, on poursuit contrat local de lutte contre les violences sexistes, sexuelles et conjugales qui relèvent de la compétence de la politique de la ville. Sébastien, tu continues.
Merci, Président. Donc, le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, en décembre 2020, a validé l'élaboration d'un contrat local de lutte contre les violences faites aux femmes. Ce contrat local a pour objet de valoriser les actions déjà conduites sur le territoire ou bien en impulser de nouvelles. Les trois réunions du groupe de travail prévention de la délinquance, lutte contre le sentiment d'insécurité sont prévues. Ce contrat de lutte contre les violences faites aux femmes prévoit quatre axes: l'accueil et l'accompagnement des victimes, la sensibilisation et la formation des acteurs locaux, la prévention, la sensibilisation et la communication auprès du public, et quatrième axe, la prise en charge et l'accompagnement des auteurs. On décline 9 actions. Je vais toutes vous les donner parce que ce n'est pas très long. Renforcement de l'offre de logement pour les victimes, mise en place du dispositif Angela. Troisième action, formation des acteurs locaux. Quatrième action, constitution d'un réseau d'avocats référents. Cinquième action, développement des compétences psychosociales. Sixième action, numéro 3919 aux entrées de ville. La septième action, la mise en place de bracelets électroniques anti-rapprochement. La huitième action, proposition de logement des auteurs en cas d'éviction. Et enfin, la mise en place du manuel Engage. Voilà, Président. Contrat donc signé à la fois par la ville, l'agglo et le préfet. Y a-t-il des observations, des questions à poser sur ce sujet-là ? Donc je soumets ça au vote. Allez. Madame Vérague, merci. Madame Voisin, merci. Super. Donc évidemment, c'est une émission adoptée à l'unanimité. Merci Sébastien. Je donne la parole sans transition à Didier Pellerin qui va nous parler du plan d'alimentation territoriale. Donc la délibération que nous vous proposons ce soir, c'est au sujet du plan d'alimentation territoriale d'adopter la stratégie et d'organiser la mise en œuvre de la programmation 2021-2022 et également d'obtenir la labellisation nationale de PAT pour officialiser notre démarche. Donc je vous représente un petit peu ce qu'est un projet alimentaire territorial, l'essentiel étant également dans la délibération que vous avez. Donc le projet alimentaire territorial, tout d'abord, s'appuie sur un diagnostic qui doit être partagé de la production agricole et alimentaire de notre territoire. Également l'identifier les atouts, les contraintes sociales, économiques et également environnementales. Ce projet alimentaire territorial va ensuite déterminer un cadre stratégique et des actions qui vont se dérouler avec des partenaires. Ce n'est pas évidemment la CAN, la communauté d'agglomération, qui va porter toutes les actions. Le but est d'identifier les partenaires qui pourront mettre en place ces actions. Donc pour que ce soit réellement un projet de territoire, il faut que ces actions soient concertées, collaboratives, et il faut qu'elles répondent à des enjeux à la fois économiques, ça fait partie du développement économique, hein, l'agriculture, l'alimentation, également les enjeux sociaux, puisque bien se nourrir est un droit fondamental, également environnementaux, puisque l'environnement est directement impacté par la façon de produire et également de recycler nos déchets, et enfin la santé, qui dit bonne alimentation dit meilleure santé. Et enfin, le PAT devient une cohérence des différentes politiques que nous pouvons mener dans notre agglomération. Donc voilà les 6 points que vous avez affichés pour l'instant. Alors pour établir ce PAT, nous avons mis en place deux instances de gouvernance complémentaires. La première, c'est le groupe Travail Agriculture
de la communauté d'agglomération. 29 élus à la fois maires, conseils municipaux en font partie. Ce groupe propose des actions qui vont être portées par la CAN dans le cadre du projet alimentaire territorial. Il va statuer aussi sur les actions, savoir le côté prioritaire des unes ou des autres. Et puis, il va suivre l'état d'avancement des différentes actions. Donc, la fréquence de réunion de ce groupe est d'environ 4 fois par an. De l'autre côté, il y a un COPIL. Donc, le COPIL, il regroupe des partenaires très larges parce qu'il faut s'assurer qu'on ne laisse personne, qu'on n'oublie personne et que aucune instance pourrait rester sur le côté. Donc, vous avez la DRAF, la Direction régionale de l'alimentation et de la forêt, qui est en réalité le garant que nous soyons bien dans les clous du projet national de l'alimentation, la région Normandie, le département du Calvados, et puis après, on a les chambres consulaires, donc la chambre d'agriculture, la chambre de commerce et d'industrie, la chambre des métiers. On a également l'association Bio Normandie, qui est spécialisée dans le développement de l'agriculture biologique et des réseaux de distribution des produits biologiques. On a la chance également d'avoir sur notre territoire le lycée agricole du Robillard, donc établissement de formation très, très renommé qui participe à notre comité de pilotage, et l'AREA, qui est l'association régionale des entreprises agroalimentaires, qui est un peu leur instance de représentative. Donc le PAT se réunit environ 3 fois dans l'année. C'est la suite. Alors, donc, la première phase de concertation-consultation qui a permis d'aboutir aux propositions d'action qui vont vous être présentées tout de suite, s'est déroulée de façon numérique, malheureusement, puisque cette première phase du PAT s'est déroulée pendant toutes les périodes de confinement, donc on n'a pas pu faire les réunions, les ateliers de concertation en présentiel. Plus de 200 personnes, à peu près 180 personnes ont répondu aux enquêtes, et également ils ont été complétés par 35 entretiens individuels réalisés par Frédéric Salmon, notre chargé de mission, pour qualifier, vraiment qualifier, avoir un rendu qualitatif de cette consultation et de cette concertation. Et puis également, voilà, c'était juste après, on a également rencontré de façon individuelle tous les vice-présidents dont les politiques peuvent se croiser avec notre projet alimentaire territorial. Donc là, vous avez un petit schéma. Oui, on va revenir au petit schéma, s'il vous plaît. Voilà, un petit schéma, on voit la chaîne alimentaire de la production à la consommation, donc qui doit intégrer le PAT. Et puis sur la gauche, vous avez la mise en relation de tous ces acteurs. Et sur la droite également, on a un volet qui est ressorti beaucoup comme attente des personnes enquêtées sur la lutte contre le gaspillage alimentaire et également aussi en bas la gestion des déchets. Donc on n'est pas sur une île. Le PAT Lisieux-Normandie, il a des voisins, des territoires voisins qui également peuvent avoir des projets similaires. Il y a des outils qui existent sur des territoires voisins qui peuvent nous être intéressants. Donc, forcément, le PAT est en concertation et en relation avec les territoires voisins, avec également le pôle métropolitain de l'Estuaire-de-la-Seine, le pôle métropolitain de Caen, et puis également les autres politiques de la CAN que sont le label Citergie, le plan de climat et énergie territoriale, les cycles de l'eau, le plan santé, enfin tout, et également, on vient d'en parler, le PLUI, puisque si on veut préserver ou développer notre agriculture, eh bien, il faut que les documents d'urbanisme en tiennent compte. On peut passer à l'image suivante. Donc la stratégie du PAT, elle va se décliner à long terme.
les actions, il y en a 32 actions qui ont été définies, qui vont se décliner en 10 axes. Donc vous avez dans les annexes le détail de toutes ces actions. Et voilà un peu la philosophie qui a prévalu pour organiser ces axes et ces actions. Donc on peut peut-être passer juste après. Voilà. Donc voilà les axes prioritaires. Donc notre rôle d'élu, c'est d'avoir un territoire attractif. Et donc nous, notre ambition, c'est que l'alimentation de qualité soit une attraction, soit un volet de l'attractivité du territoire. Donc je l'ai évoqué tout à l'heure, la capacité de production agricole et alimentaire, c'est lié au foncier, donc l'utilisation de l'espace. C'est un deuxième axe. Le renouvellement des générations et l'installation aussi bien en production agricole qu'en transformation alimentaire, c'est un enjeu crucial. Dans beaucoup de domaines, on s'aperçoit que les générations vieillissent, ne sont pas renouvelées. Par contre, on connaît également une forte appétence pour des personnes venues d'autres secteurs socio-professionnels pour la production alimentaire et l'agriculture. Donc ça, c'est le troisième axe. Également, sur le Pays d'Auge, dans notre région, on a des pratiques agricoles qui sont souvent vertueuses, mais qui ne sont pas forcément bien connues ou reconnues. Donc, notre ambition est aussi de mieux les faire connaître par la certification davantage d'exploitations sous cahier des charges, soit biologiques, soit agroécologiques, soit haute valeur environnementale. Donc, également, on s'aperçoit que pour certaines productions, la transformation entre la fourche et la fourchette, il manque des maillons pour la transformation. On peut citer par exemple l'abattage des petits animaux, on peut citer la transformation des productions maraîchères et légumières pour la restauration hors domicile. Donc on sait qu'il y a des maillons manchants, la transformation laitière de petite taille également. Donc ça, c'est le cinquième axe. L'économie de proximité, forcément, tout est économie dans ce PAT. Également, on a eu une demande forte de développer des lieux de commercialisation des produits qui soient plus proches des consommateurs. Donc l'axe 8, renouvellement des générations dans les entreprises. Et donc là, on va même plus loin. Et donc là, le lycée du Robillard est également partie prenante là-dessus. C'est la promotion des métiers liés à l'agriculture et à l'alimentation, qui peut être également un facteur fort d'inclusion sociale. Donc on a des associations qui existent déjà, des associations d'insertion qui travaillent l'alimentaire. La production alimentaire n'est pas réservée aux agriculteurs. Les particuliers, les associations, voire les communes peuvent également s'intégrer dans ce tissu de production alimentaire. Alors, promouvoir la production alimentaire locale, le bien manger, et garantir l'accès de tous les citoyens, en garantir l'accès à tous les citoyens du territoire. Donc là, il y a aussi une demande qui est ressortie par rapport au réseau d'aide alimentaire qui existe sur le territoire, qu'il soit mieux connu, mieux approvisionné, et si possible, approvisionné aussi en produits locaux, et pas forcément en boîte de conserve venue d'on ne sait où, parce que tout le monde a le droit de bien manger également. Et puis l'axe 10, la réduction des déchets, la valorisation, jusqu'à valoriser également les déchets organiques de façon efficace. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu long. Alors ce tableau-là, vous l'avez en annexe sur vos tablettes. Donc les 10 axes sont sur la colonne de gauche et les actions sur les deux colonnes de droite, avec des petits sigles qui, et ça a été tout le travail de la commission agriculture, de définir des priorités, parce qu'on ne va pas tout faire en même temps. Donc il y a des priorités du moyen terme, du long terme, et vous avez tout ça en détail. Merci Didier. Alors, cette présentation n'est qu'une, c'est la partie visible de l'iceberg, quoi, parce qu'il y a un travail gigantesque que tu as fait avec la commission agricole, avec Frédéric, avec les partenaires. Peut-être qu'un jour, on l'a présenté en CEMEX l'autre jour, et les maires ont beaucoup apprécié, ont été très surpris
du volume de travail. Et Clotilde Walter avait insisté à deux reprises sur. C'est quand même dommage qu'un si grand, un si beau travail ne soit pour l'instant pas suffisamment connu. Donc on va travailler sur la communication. Depuis, on a travaillé déjà un petit peu avec la directrice de communication et on va effectivement maintenant le projet étant. Déjà, ce soir, la première étape, c'est de le voter, de voter la stratégie et la labellisation qui nous permettra d'obtenir aussi des financements pour mettre en œuvre les actions. Et surtout, nos partenaires vont pouvoir obtenir des financements dans la mesure où les actions qu'ils proposent s'inscrivent dans ce projet stratégique alimentaire territorial. Parfait. Y a-t-il des questions à poser à Didier, où il a été assez complet ? Eh bien, je vous propose qu'on parte dans cette belle aventure. Allez, c'est OK. À l'unanimité, félicitations aussi pour le travail, Didier. On poursuit et là, on va changer d'activité puisqu'on va passer à la culture. Et je donne la parole à Jocelyne pour le 15e délibération sur les 24 que nous avons à prendre ce soir. Oui, bonsoir à tous. Donc, cette délibération, c'est un projet d'adhésion au Pass Culture. C'est un dispositif national qui a été mis en place par le ministère de la Culture. Il a été à titre expérimental pendant quelques mois dans plusieurs régions. Et là, il est à l'échelle nationale à partir du 21 mai dernier. Donc, cette proposition, c'est effectivement de pouvoir proposer aux jeunes d'adhérer par une application géolocalisée, disponible bien sûr sur smartphone, tablette, ordinateur, donc destinée aux jeunes de 18 ans, scolarisés ou non, et offrant un crédit virtuel de 300 euros utilisable pendant 2 ans pour profiter de toutes les offres culturelles. Donc les offres éligibles sont des visites de musées, des lieux historiques, des places de concert, des abonnements, des cours et ateliers de danse, théâtre, musique, arts plastiques, des achats de biens aussi matériels, instruments de musique, des livres, des achats de biens numériques, des jeux vidéo, là qui sont plafonnés à 100 euros dans une optique de diversification. Et en ce qui concerne l'agglomération, c'est de proposer à ces jeunes d'avoir accès à toute notre programmation culturelle, cours pratiques, artistiques, bibliothèques, musées, ateliers, sur cette application. Donc ça nous permettra aussi, nous, d'avoir une communication sur notre politique culturelle et que ces jeunes puissent s'y inscrire ou pas. Voilà. Mais c'est une proposition de convention, de partenariat avec le ministère de la Culture et qui est porté par l'ASAS Pass Culture qui est créé à cet effet. Donc c'est dans le cadre de la mise en œuvre de notre schéma culturel de territoire qu'on vise effectivement à donner cette priorité à la culture pour les enfants et jeunes de 0 à 26 ans. Et là, bien sûr, ces jeunes s'y inscrivent totalement. Donc pour tout le territoire. Je précise aussi que les communes qui voudraient adhérer reviennent aussi vers nous pour les accompagner. Il y a les associations. Là on part des conventions d'adhésion pour les collectivités, mais des associations culturelles peuvent aussi adhérer. Là, c'est une autre forme, mais nous, on peut les diriger. Voilà, donc c'est cette proposition de convention. Là, donc vous avez derrière la convention de partenariat, qui rappelle bien sûr l'objet de la convention, les engagements des parties. Donc les offres artistiques et culturelles de la communauté d'agglomération Les Yeux Normandie seront proposées sur le Pass Culture dans le but d'y faciliter l'accès aux jeunes inscrits. Seront notamment concernées les activités, actions et programmations culturelles mises en place par l'ensemble des établissements culturels en régie directe de la communauté d'agglomération Les Yeux Normandie, conservatoire, centre culturel, école de musique, médiathèque et bibliothèque, musée, théâtre. Afin de garantir le remboursement par la SAS Pass Culture des offres réservées, la communauté d'agglomération Les Yeux Normandie désigne un responsable financier.
La SASPAS Culture fait la promotion des offres proposées par la communauté d'agglomération Les Yeux-Normandie à travers l'application PASS Culture et ses différents supports de communication, réseaux sociaux, lettres d'information. Et les offres culturelles de la commune réservées à travers le PASS Culture feront l'objet d'un remboursement par la SASPAS Culture selon les modalités prévues par les conditions générales d'utilisation. Voilà. La convention est valable pour un an à compter de la date de signature. Et là, on a vu effectivement avec le Trésor, si vous êtes d'accord avec la trésorerie générale, que ça pourrait s'opérer à partir du 1er septembre, le temps qu'on mette toute notre régie en place. C'est un beau projet, ça. Il y a des questions sur ce pass culture ? Gérard ? Gérard Louis Belvie, j'ai pas tout compris dans le cheminement. Nos jeunes ont besoin de culture, certes, mais soyons concrets. Comment ça se passe, Andy ? Ils viennent nous voir. Alors, on leur dit quoi ? Ils contactent qui ? Alors nous on va faire de l'information, c'est-à-dire ils vont. Après eux, ça va être facile. Ils vont s'inscrire sur une application. Sur cette application, ils vont découvrir, comme là, c'est là je parle de l'agglomération qui va inscrire toutes ces offres. Donc le jeune les verra. C'est-à-dire il verra qu'il y a un spectacle au théâtre, il verra qu'il y a des cours à l'école de musique, au conservatoire. Et s'il veut s'y inscrire, il a donc une somme qui est donc donnée par l'État de 300 euros, une somme, c'est un crédit virtuel hein, sur le... Et il pourra utiliser cette somme. Et nous, elle nous sera remboursée. D'accord. Donc, on peut les envoyer, par exemple, vers la maison des services publics ? Oui. C'est une application. Ils téléchargent une application sur leur portable et c'est de leur portable qu'ils font. Alors, nous, effectivement, là, maintenant, dans les témoins, c'est à nous de communiquer. C'est-à-dire, par nos sites, il faut effectivement qu'on donne cette information aux jeunes qui puissent se télécharger cette application. Elle est gratuite, cette application, mais il faut bien sûr à nous de leur donner l'information. Est-ce que j'ai été clair ? C'est bon, merci. Ok. On y va là-dessus ? Allez, go. On vote. Alexandra, Evelyne, elle est encore là ? Elle est sortie ? D'accord, ok, donc le scrutin est clos. Donc, délibération adoptée à l'unanimité. Merci Jocelyne, tu as encore Oui, j'ai un encore point. Des points. Donc on doit effectivement voter les tarifs hein, pour l'année scolaire. La proposition tarifaire 2021-2022 pour le pôle lecture publique, médiathèque de Lisieux, Livaro, bibliothèque de Mésidon, Vallée d'Auge, Saint-Pierre-en-Auge et Orbec, le pôle apprentissage musique et danse, conservatoire à rayonnement départemental, centre culturel de Livaro, école de Mésidon, Vallée d'Auge, Saint-Pierre-en-Auge et Orbec, pôle muséal, c'est le musée d'art et d'histoire de Lisieux, musée du vieux manoir d'Orbec, château musée de Saint-Germain-de-Livet, et le pôle spectacle vivant, théâtre de Lisieux, Normandie, salle la loco de Mésidon, Vallée d'Auge. Donc, pour tous ces tarifs, les tarifs se reconduisent, la proposition se reconduit à l'identique de ceux votés en séance du Conseil communautaire du 16 juillet 2020, mais nous avons quelques modifications et précisions à apporter sur les tarifs du 16 juillet 2020. Pour les trois musées et les cinq établissements d'enseignement artistique du pôle apprentissage musique et danse. Alors, à la rentrée de septembre 2021, le réseau des arts plastiques, qui était jusqu'ici piloté par le pôle muséal, intègre le réseau des apprentissages musique et danse. Donc, ils vont fusionner sur la direction commune des apprentissages musique et danse. Pourquoi ? Parce que le pôle muséal n'avait pas de... à part les guides conférenciers, n'ont pas de professeurs. Donc, nos professeurs d'art plastique intègrent totalement le réseau des apprentissages musique et danse et donc font partie
du groupe de tous nos professeurs. Donc là, il fallait le préciser. Et préciser donc que ça intègre les tarifs de l'école d'art plastique pour le conservatoire à rayonnement départemental. À préciser que la gratuité de la location des instruments de musique pour les nouveaux élèves en première année est valable uniquement pour les moins de 26 ans. Là, on l'avait pas précisé l'année dernière, donc ça, il faut qu'on le précise. Les élèves qui veulent faire un instrument en première année ont droit à une gratuité de l'instrument jusqu'à l'âge de 26 ans. Les tarifs, là c'est marqué stage, mais c'est plutôt des ateliers du réseau des arts plastiques, s'appliquent désormais systématiquement à l'ensemble des établissements d'enseignement artistique. Vous verrez sur les différents tarifs, c'est de l'ordre de 2 à 4 euros. Pour le Centre culturel de Livaro, préciser que les tarifs des enseignements musique et arts plastiques sont corollaires d'une inscription à l'année, tandis que toutes les autres disciplines font l'objet d'une inscription au trimestre. Effectivement, au Centre culturel de Livaro, vous pouvez avoir des activités, par exemple de yoga ou autres, et là, qui vont rester à l'inscription au trimestre. Par contre, nous, tous nos tarifs des enseignements musique et arts plastiques sont à l'année. Il fallait aussi le préciser. Pour le château-musée de Saint-Germain-de-Livet, c'est précisé aussi avec un nouveau tarif, puisque nous avons une visite qu'on appelle une visite immersive, qui a été faite d'ailleurs en lien avec le département. Et donc, il fallait créer un tarif. Et donc, la proposition qui est faite, c'est de prendre le tarif d'entrée 5 euros, le tarif réduit, et d'ajouter la médiation, c'est-à-dire 4 euros, donc pour cette visite immersive. Donc, ça vous fera un tarif de 9 euros qui n'était pas inscrit. Pour le musée d'art et d'histoire de Lisieux, musée du vieux manoir d'Orbec et musée de Saint-Germain-de-Livet, bien préciser aussi que l'exonération des tarifs de groupe et scolaire s'applique aux scolaires, donc maternelle, primaire, secondaire, de la communauté de communes d'agglomération. Voilà. Y a-t-il des questions ? Précision. Oui. Monsieur Fraquet. J'ai deux questions. La première, ça concerne la location du parc du château de Saint-Germain-de-Livet. Est-ce que vous le louez uniquement au mariage, puisque j'ai l'impression qu'il faut avoir une mariée pour louer le parc d'après le tarif? Et la deuxième question, qui est un peu plus importante, c'est que vous nous avez parlé il y a un an d'harmoniser les tarifs entre les différentes structures culturelles, et entre autres pour la musique. Et là, on renouvelle exactement les mêmes tarifs. Donc ma question, c'est comment vous allez arriver à harmoniser les tarifs en ne changeant jamais les tarifs? Alors, nous n'avons pas pu faire ce travail parce que nous n'avons pas pu nous réunir. C'est un travail énorme. Déjà, nous avions commencé, et il y a dans la salle des personnes qui ont déjà travaillé sur la modification des tarifs. Et je m'engage, et avec nos équipes, à partir du mois de septembre, c'est un chantier que l'on met en place pour les écoles de musique. Et donc, le résultat sera pour quelle année? Pour 2022. Merci, pour l'entrée madame. 2022, puisqu'on vote les tarifs à l'année. Et pour le parc du château, alors l'entrée du parc hein, pour les visiteurs est gratuite. On l'a mise gratuite l'année dernière. Il y a effectivement un tarif qui doit être, je crois, de l'ordre de 640 euros, je crois. Je n'ai pas les chiffres sous les yeux. Effectivement, c'est une société, une entreprise ou un mariage qui veut louer le parc privatisé. Voilà. Parce que quand on lit le tarif, seuls les mariés et, je dirais, leurs invités ont droit à la visite gratuite du musée. Mais si une société privée vous loue le parc, leurs invités n'ont pas le droit à la visite. Alors là, le tarif, il est uniquement pour le parc. Enfin, après, c'est pas ce qui est écrit. Hein. Alors on peut préciser la même chose que les mariages, si vous voulez qu'on le précise. Il n'y a pas de souci. Hein. On peut le rajouter. Ok. Oui, Alexandre avait levé la main. Euh,
Alors tout d'abord, merci à M. Fraquet, parce que c'est une question que je posais systématiquement. Alors je sais que l'aglo n'a pas vocation à faire du social. Cependant, par rapport à la lutte contre l'illettrisme, est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir sur l'impact du coût si on faisait une gratuité pour les 14-18 ans sur l'accès aux bibliothèques? Juste voilà, qu'on y réfléchisse peut-être pour une prochaine année, mais... un impact coût par rapport à une mesure de gratuité sur les bibliothèques. Alors déjà les tarifs sont, enfin je les ai pas sous les yeux, ça va être 3 euros je crois. C'est l'abonnement, hein. Là on parle bien de l'abonnement annuel. Donc ça doit être 3 euros pour les tarifs réduits pour l'année. Alors après non, on aura de toute façon, on aura aussi ce débat-là, une médiathèque, bibliothèque, gratuite ou pas gratuite. Ça... voilà, on l'aura de nouveau. Là, effectivement, il y a la médiathèque de Livaro qui est restée gratuite parce que, effectivement, historiquement, on l'a respectée. Là, il y a un plan de lecture publique qui va arriver. On a un catalogue unique, donc il va falloir tout numériser dans toutes nos bibliothèques, avec aussi proposer une carte unique. On pourra effectivement de Saint-Pierre à Orbec, où ça c'est notre souhait. Donc est-ce qu'avec tous ces outils en place, on doit mettre une tarification ou pas? Ça, on décidera ensemble. Ok, et je reprendrai une phrase que notre ancien collègue de OUI disait, il n'y a rien de gratuit. Hein. Au bout du bout, il y a quand même quelqu'un qui paye. Quoi. Allez, on vote là-dessus, sur les tarifs proposés par Madame la vice-présidente? Evelyne, c'est bon. Alors, délibération 81, 69 exprimés, 12 abstentions, adopté. Je passe la parole à Jackie Marie, qui va nous parler des tarifs du centre aquatique du Nautil et de Saint-Pierre-en-Auge. Oui, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Oui, il s'agit de délibérer sur les grilles tarifaires pour les piscines de Saint-Pierre-en-Auge et le centre aquatique, le Nautil. Bon, en préambule, compte tenu du contexte sanitaire, les équipements sportifs couverts ont fait l'objet d'une fermeture au public depuis le 14 mars 2020, exception faite d'une période de déconfinement entre le 10 juin et le 23 octobre 2020. Par conséquent, les usagers du Nautil et des piscines de Saint-Pierre-en-Auge ont été privés depuis plus d'un an d'une pratique sportive ou de loisirs dans nos équipements aquatiques. Plusieurs mesures ont été présentées lors de la commission équipement d'intérêt communautaire, notamment la date de validité des abonnements de 2021 ont été prolongées jusqu'en 2022. La reconduction des tarifs appliqués depuis le 1er juillet 2019, fixée par délibération du conseil communautaire en date du 16 mars 2019. Donc les tarifs sont détaillés en annexe de la présente délibération. Je ne sais pas si on peut les afficher, sinon je ne vais pas les lire. Vous les avez tous reçus. Je ne sais pas sur ces délibérations. Sur les tarifs, vous avez des questions. Ce que je souhaite aussi, vous faire part aussi que le Nautil a de nouveau ouvert ses portes, ses bassins depuis le 9 juin. Et ce que je peux vous en dire, c'est que du 9 juin au 29 juin, nous avons eu 9320 entrées pour une somme de 3484 euros en trois semaines. Voilà. Des questions, s'il vous plaît. Une précision, sur, puisque Jackie met le doigt sur l'accès au Nautil et la recette. Nous avons donc fermé Nautil longtemps pour cause Covid. En année pleine, le Nautil, c'est 471 000 euros de recettes. Pardon, je n'ai pas compris. Non. Oui. De perte. Oui, mais chaque année, puisqu'elle était fermée, on se prive d'une recette de 471 000 euros.
La recette, attends, de tête, je pense qu'elle est de 800 000 euros. Oui. Sur un an. Ah oui, alors c'est encore plus. De 800 000 euros, voilà, sur un an. C'est voilà. Pire que ce que je crois. Et là, cette année, on a perdu plus de 400 000 euros. Voilà. Compte tenu du contexte, on a perdu 400 000 euros. Ça revient pareil. Bien, on vote ces tarifs. C'est vrai que la recette n'est pas importante, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de scolaires, quoi. Alors, Madame Mangin, s'il vous plaît. Alors, c'est bon, à l'unanimité. Merci, Jackie. On poursuit et là, on change de secteur puisqu'on va parler pour le point 18, le point 19, le point 20 de mobilité. Je donne la parole à Madame Walter. Oui, merci, Monsieur le Président. Il y a effectivement trois délibérations. La première consiste à prolonger la durée de la concession de la délégation de service public de transport urbain. Cette délégation de service public date de 2011. Donc, elle a été négociée à l'époque par l'ISU Intercom. Elle a été transférée à l'agglomération en 2017. Et là, on vous propose d'étendre la durée de cette concession jusqu'au 31 août 2023. Pourquoi ? Parce que c'est la date à laquelle l'autre délégation de service public qui concerne l'interurbain vient à échéance. Celle-là a été négociée à l'époque par la région. Et donc, il s'agit de faire converger ces deux délégations de service public, ces deux contrats, pour en négocier un nouveau, un seul, unique, cohérent, concernant l'ensemble de ces services de transport. Voilà, Monsieur le Président. Y a-t-il des questions à poser, Johnny Briard? Bonsoir à tous. Ce n'est pas vraiment une question sur le sujet, mais j'en profite puisqu'on est sur les mobilités. On dispose d'une piste cyclable de à peu près 2 km sur Saint-Martin-de-la-Lieue, entre Saint-Martin-de-la-Lieue et Saint-Élysieux. Et je voulais savoir comment ça se passe pour l'entretien, puisque aujourd'hui encore, j'y suis passé cet après-midi, et on a un envahissement de la moitié de la piste cyclable par les herbes, les chardons et les ronces, donc c'est un petit peu dommage. Et je me dis qu'aujourd'hui, on travaille sur un véritable projet d'avenir pour les pistes cyclables. Alors, si toutes les pistes cyclables sont dans cet état-là, je me pose vraiment la question de savoir s'il faut en faire, parce que c'est un confort d'avoir des pistes cyclables, et je pense que c'est encore plus confortable d'avoir des pistes cyclables qui soient praticables. Donc, je ne sais pas à qui m'adresser, parce que soit c'est les mobilités, soit c'est l'entretien au niveau de l'agglo, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a toujours ce problème. J'avais déjà posé la question l'an passé et on retrouve le même problème cette année pour 2 km sur le territoire et c'est vraiment ennuyeux. Clotilde, comment ? Ben, jusqu'à présent, je n'ai pas compris que j'étais chargée de l'entretien des infrastructures. Si Johnny Briard en est d'accord, il y a une initiative qui a été prise à Lisieux il y a quelques jours qui consistait à mobiliser des habitants pour ramasser les déchets. Ça se fait beaucoup en ce moment. On pourrait aller tous ensemble le faire. Non, mais c'est un private joke, mais je ne sais pas. Non, mais je plaisante, Clotilde. L'intervention est prévue début juillet. Vincent vient me le dire. Donc, c'est programmé. Dani. Dans ma première réaction, moi, et je te rejoins, Johnny, je me dis, mais si ce n'est pas une piste cyclable, ça peut être un chemin, etc. Il y a un propriétaire de la haie. Alors, je ne sais pas si c'est l'agglo qui est propriétaire et qui se doit d'élaguer, mais mon premier sentiment, ce serait de dire, celui qui est propriétaire, il faut peut-être revenir au bon sens où chacun doit entretenir. Je ne suis pas si sûr que toi, non. Je crois. C'est le département qui est propriétaire et qui l'a délégué à l'agglo, par convention, me dit Sébastien Leclerc. Alors, il doit y avoir une recette. Enfin, c'est ça. Hein. Quand on veut regarder les finances de l'agglo, à un moment, il faut se poser les bonnes questions. Non,
Clotilde Walter a tout dit, il y a une convention qui lie le département à l'agglomération, donc l'entretien revient à l'agglomération. Oui, non, mais... C'est pour ça que le directeur général a dit qu'on allait s'aller au début du mois de juillet. C'est pour ça que c'est programmé début juillet, parce que c'est à nous de le faire. Oui, oui, mais cette année. 21. Oui, Hubert. Je suis concerné, et c'est vrai que c'est très, très énervant, parce que c'est tous les ans pareil. On est obligé de se battre. Alors, j'appelle le tourisme, c'est pas le tourisme. On appelle le service et lagage, c'est pas les lagages. On ne sait pas à qui on a affaire sur ce point précis. Et là, c'est vrai que c'est incroyable. Vincent me dit, on taille sur 3 mètres, le reste. Tout le monde se renvoie la balle. Et c'est récurrent. Et il y a eu le même problème quand il y a eu remplacé des panneaux. L'intervenant est venu voir, et puis il a pris les notes. Et puis, pour avoir le retour, l'acceptation, ça a demandé à peu près 6 mois. Et... On sait pas, le problème, c'est qu'on ne sait pas qui fait quoi sur cette piste cyclable pour l'entretien. De toutes les façons, c'est moi qui suis responsable. Non, mais je t'en avais parlé, François. Oui, mais j'ai fait derrière. Et ah, voilà. Ça avait marché après, mais une fois. C'est pas normal que ça passe par toi pour ce genre de problème. OK, mais le directeur l'a noté. Et on en reparlera demain matin dans mon bureau. Je plaisante. Je profite de l'occasion, mais c'est le même problème pour les chemins pédestres. Il y a des chemins pédestres qui viennent de passer sous convention de l'agglo, qui doit les entretenir. Il faudrait peut-être revoir le système d'entretien. Il y a des entreprises qui sont en train de tailler les bernes. Peut-être qu'elles pourraient faire en même temps les chemins pédestres. Parce que là, on nous reproche, nous, nos administrés viennent nous voir en disant mais les chemins, ils sont dégueulasses, qu'est-ce que tu fais ? Je propose qu'on revienne au sujet. On est hors sujet, c'est vrai, excusez-moi. Mais... Merci. Alors, c'était quoi ta délibération, Clotilde, déjà ? J'ai déjà expliqué la 18. J'ai expliqué que c'était la prolongation de la durée de la concession de la délégation de services publics. On vote, là-dessus. Pour les transports urbains. On vote là-dessus. Urbains. On vote là-dessus. Allez. Alors, je veux bien lire les attendus, si vous voulez. Non, si non, vous vas-y, c'est bon, tout le monde est en train de voter, déjà. Bon, bah oui. Sinon, on va se retrouver sur... Allez. Alors, j'en ai une... Ah non, c'est pas fini. Non, non, attends, tout le monde n'a pas voté. S'il faut élaguer, ça va pas aller... Gérard Baudouin, Johnny, allez, ça marche. OK, 81, ne prenons pas part au vote. Délibération suivante. Alors, la délibération numéro 19 concerne toujours ce contrat pour les transports urbains et donc qui concerne Lisieux. L'objectif de cette modification, c'est de modifier le service pour améliorer le service aux usagers. Et donc, il y a un certain nombre de modifications que je ne vais pas forcément vous détailler, qui ont été préparées dans le mandat précédent. Nous avons repoussé la date de mise en œuvre au 1er septembre 2021 pour permettre à la ville de Lisieux de rentrer dans le dossier, de participer à la construction du dispositif. On a parmi les modifications, je vais en citer quelques-unes, il y a une ligne express qu'on va expérimenter, qui va avoir un trajet nouveau entre la gare, la basilique et la zone d'activité économique et commerciale sur le plateau. On a aussi une modification du sens de la circulation sur la place François Mitterrand, ce qui va alléger les choses sur le secteur. On a une desserte des centres commerciaux et on a, ça c'est pour Jacques-Marie, mention spéciale, desserte de la rue Guillonneau, mais notamment avec le complexe de la piscine. Le samedi, pendant les vacances d'été, notamment. Voilà. OK. Des questions sur ces propositions ? Non ? Eh bien, je vous invite à voter.
Allez. Donc, même vote, 80 exprimés, un ne prenons pas part au vote. Merci. Clotilde, le rapport numéro 20, s'il te plaît. Alors, la délibération numéro 20 concerne une association qui s'appelle Agir, qui est une association qui travaille dans le domaine des transports, qui a 300 adhérents et qui a une expertise dans le domaine des, donc, des transports publics, des mobilités en général, qui a une action pour accompagner les communes, les intercommunalités qui sont organisatrices de transports. Avec, elle a pour avantage d'avoir une vision un peu globale de ce qui se fait dans les collectivités, de partager des expériences. Donc, Lisieux-Normandie fait partie de cette association et nous avons décidé aujourd'hui de la représentation de l'agglomération. Voilà, c'est le président qui fait la proposition. Je le dis, c'est pas moi, puisqu'il s'agit de désigner deux personnes. Et le président propose que je sois désignée ainsi que Steve l'aîné. Je propose que Clotilde, notre vice-présidente en charge de la mobilité, siège dans cette association en tant que titulaire. Et je propose un membre de la commission de mobilité, après concertation avec Maxime et Steve l'aîné, conseiller municipal, adjoint, pardon, à Saint-Jean-de-Lys. D'accord sur cette proposition ? Qu'on vote. Sandrine. Eric. OK. Donc, résultat. Un numérateur et un blanc. Donc, validation de Clotilde et de Steve. Merci, Madame Walter. Rapport numéro 21. Et je donne la parole à Eric Boinard. Merci. Merci, Monsieur le Président. Cette délibération est une délibération d'adhésion à une fédération qui s'appelle France au public, qui est un complément de l'adhésion que nous avons déjà à la FNCCR. Cette adhésion a été prise par décision du président, ce qui est dans ses attributions. Mais nous devons ce soir, d'une part, valider la charte, approuver la charte d'adhésion à France au public et d'autre part désigner un représentant dans cette fédération. Je précise que c'est une délibération qui avait été proposée au précédent conseil communautaire et j'avais demandé qu'elle soit retirée. Une erreur de calendrier de ma part avait fait qu'elle n'avait pas été présentée ni en conseil d'exploitation ni à la commission des cycles de l'eau, ce qui a été fait et ce qui a été approuvé. Je précise que France au public est une fédération qui regroupe de très nombreuses collectivités, pratiquement la totalité des collectivités qui sont en France, qui sont en régie et qui gère à peu près 12 millions d'habitants en eau potable et 7 collectif. C'est une fédération que nous utilisons, je dirais, sans être adhérent depuis près de 2 ans. Et à un moment, il faut régulariser la situation. Sandrine Petit les consulte en permanence. C'est un coût très faible puisqu'on est sur 1300 euros de mémoire. Et ça nous permet de confronter nos problèmes, d'avoir des solutions en confrontant les exemples dans les autres parties, dans les autres collectivités qui sont en régie en France. Donc cette adhésion se fait au titre des régies existantes des SPA, en l'occurrence l'assainissement collectif, le budget régie assainissement collectif, le budget ANC et la petite partie AEP eau potable qui est en régie également. Des questions sur cette adhésion ? Je
Je ne vois pas, donc je vous propose de voter. Alors, il faut désigner. Ça va être en deux parties, je pense, d'accord, parce qu'il y a la validation de la charte, d'une part, et d'autre part, je suis candidat à représenter ESPA dans cette fédération. Donc, je pense qu'il y a deux délibérations, mais je n'en suis pas certain. Alors, non, apparemment, une seule, on me fait signe qu'une seule suffira. Les juristes, parfait. Là-bas ? D'accord, donc une seule. Okay. Donc je vous invite à voter pour l'adhésion et pour que Éric Boinard, dans sa qualité de vice-président, sur le cycle de l'eau, nous représente. Jocelyne, François Gillas et Alain Mignot. C'est pas beau, je pointe du doigt. Ok, merci. Donc, 80, 67 exprimés, majorité plus 34, abstention 8, blanc 6. Adhésion et désignation validée. On poursuit en développement économique. Je donne la parole à Benoît Charbonneau. Bonsoir à tous. La délibération qui vous est proposée ce soir concerne le développement économique. Il s'agit de la zone d'activité du cadran à Saint-Pierre-en-Auge. On vous demande la modification du permis d'aménager et l'incorporation des équipements publics au domaine public de la communauté d'agglomération de Lisieux-Normandie. Un peu d'explication. Au moment de la création de la zone d'activité du cadran à Saint-Pierre, ça avait été fait par la communauté de communes de Saint-Pierre et il avait été mis dans le règlement qu'une fois les parcelles vendues, les propriétaires des parcelles devaient créer ce qu'on appelle une association syndicale pour gérer les voiries. Ce soir, on vous propose qu'il n'est pas souhaitable de créer cette structure du fait que toutes les autres zones d'activité du territoire sont gérées par la communauté d'agglomération. Donc, il vous est proposé ce soir au Conseil communautaire de transférer à l'agglomération la gestion de l'ensemble des équipements publics de la zone d'activité du cadran, afin que ça soit conforme à l'ensemble du territoire. Est-ce que j'étais clair ? Des questions sur ce rapport ? Non. Donc je vous invite à voter. Éric et Léa. Ok, à l'unanimité, merci. Alors, la délibération qui suit, la 23, concerne donc une conséquence patrimoniale. Je vais lire la délibération. C'est un sujet un peu, pas un peu compliqué, mais voilà, qui nécessite de la précision. L'objet, c'est les conséquences patrimoniales suite à modification d'intérêt communautaire. Donc, cession à titre gratuit du lieu de vie situé impasse du Lavoir à Moyaux et fin de la mise à disposition du complexe Nicolas Batum. La communauté d'agglomération donc, exerce la compétence, depuis son origine, construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire. À la création de la communauté d'agglomération, l'intérêt communautaire de cette compétence était l'agrégat des différents intérêts communautaires, et donc il comprenait le complexe Nicolas Batum et lieu de vie situé sur la résidence du Lavoir à Moyaux. Le complexe Nicolas Batum, c'est un complexe sportif dans lequel il y a un très grand gymnase avec des salles annexes de sport et un lieu qui abrite un centre de loisirs qu'on appelle le Cali. Et le lieu de vie situé sur la résidence du Lavoir à Moyaux, c'est un ensemble immobilier dans lequel était situé, et là je regarde les anciens
membre de la commission de la communauté de communes de Moyeau-Porte, Pays d'Auge. C'était le 2 ou 3 pièces qui faisaient le lieu du siège de la communauté de communes de Moyeau de l'époque. Historiquement, bien que le complexe Nicolas Batum a été construit et géré par l'intercommunalité, donc cette intercommunalité qui était Moyeau-Porte, Pays d'Auge, il a été construit sur un terrain propriété de la commune de Moyeau. Dès lors, tant le terrain d'assiette que les bâtiments ont toujours appartenu à la commune. Par une délibération du conseil communautaire, en date du 6 juillet 2017, et conformément à son acte fondateur, la communauté d'agglomération a décidé de réduire l'intérêt communautaire au sein de cette compétence en procédant à la restitution des équipements complexes Nicolas Batum et lieux de vie situés sur la résidence du Lavoir à Moyeau au profit de la commune de Moyeau en application de l'article L5216-5 du Code général des collectivités territoriales. Le temps que la commune de Moyeau se structure, il avait été convenu que la communauté d'agglomération gère le complexe Nicolas Batum par l'intermédiaire d'une convention de gestion que nous avions validée. Toutefois, il y a eu un contrôle de la Chambre régionale des comptes diligenté sur la commune de Moyeau et un rapport d'observation de la Chambre régionale des comptes a fait état de plusieurs réserves sur la situation juridique du complexe Nicolas Batum. Enfin, une réduction de l'intérêt communautaire emporte les mêmes conséquences qu'une rétrocession de compétences. Dès lors, selon l'article L5211-25-1 du CGCT, précise que, premièrement, les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, que deux, les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence. Par ailleurs, il est donc proposé ce soir qu'en parallèle, il est proposé de signer donc une nouvelle convention de gestion avec la commune de Moyeau jusqu'au 31 décembre 2021, le temps de préparer le transfert du personnel et des contrats liés au complexe. En quelques mots, donc, suite aux observations de la Chambre régionale des comptes qui concernaient la commune de Moyeau, comment nous avons travaillé avec la commune de Moyeau. Nous avons eu plusieurs réunions avec les maires des communes concernées qui étaient membres de l'ancienne Intercom de Moyeau-Porte, Pays d'Auge, pour clarifier la situation et être dans les clous. Et la situation et la solution qui a été évoquée encore, je crois, hier, c'est donc une rétrocession pure et simple du complexe Nicolas Batum, du Cali, et dont les locaux dont j'ai parlé, au bénéfice et à la gestion de la commune de Moyeau. Voilà. Donc, on va rétrocéder au 1er janvier l'équipement Nicolas Batum, Cali, au bénéfice de la commune de Moyeau. Bien sûr, actuellement, la commune de Moyeau verse une allocation de compensation à l'agglo pour faire fonctionner le Cali et le Nicolas Batum. Et donc, cet AC sera rétrocédé dans sa globalité à la commune de Moyeau pour faire fonctionner son équipement. À charge après à la commune de Moyeau de pouvoir voir s'il y a des discussions, des négociations avec les communes membres de l'ex-intercom, si ils veulent participer à la vie de cet équipement. Mais en tout cas, la communauté d'agglomération se dégage de la gestion de Batum et du Cali à partir du 1er janvier, si vous en êtes d'accord. Et on sera totalement en adéquation avec les préconisations de la Chambre régionale des comptes. Et bien sûr, c'est en accord avec les élus de Moyeau. Denis Poutot et Christian. Oui, une petite question concernant les emprunts là, qui avaient été faits au moment de la rénovation du transfert aussi. Ça n'avait pas fait l'objet d'emprunt, c'était en autofinancement. Christian. Oui, c'était la même question. Il n'y avait pas eu des extensions du complexe faites par l'intercom. Oui, mais qui avaient été autofinancées par l'intercom sans emprunt. Ok. C'est ça, Vincent. Monsieur le maire de Moyeau a demandé la parole. Monsieur Sache, vous vouliez parler ? Non, ben vous parlez, comme ça peut-être que Benoît pourra vous répondre. Si... Oui, moi je voulais savoir quelle était la charge qu'allait supporter effectivement la commune de Moyeau suite à cette cession. Eh bien, la charge va être équivalente au montant de l'AC qu'on va lui reverser, qui est d'un petit 300 000 euros. Pardon, 223 000 euros. Mais on va actuellement, l'agglomération bénéficie de cette qu'on va reverser à la commune de Moyeau pour faire fonctionner l'équipement. Sylvain Vallot, la Vespère Friardel.
J'étais déjà dans l'athlète, comme beaucoup de personnes ici présentes. Et c'est vrai que c'était un sujet dans lequel on avait quand même eu beaucoup de débats sur ce complexe, Nicolas Batum. C'est vrai que quand on avait fait la charte à la création de l'agglo, on ne voulait pas la compétence entre guillemets gymnase. Alors, ce n'est pas qu'un gymnase, hein, mais pour autant, on s'était quand même. On s'était longtemps expliqué sur ce sujet-là parce qu'on n'était vraiment pas tous d'accord pour que l'agglo prenne le centre Nicolas Batum. Donc, je comprends qu'aujourd'hui, ça reparte à la commune de Moyaux. Effectivement, j'espère que. J'espère pour toi, Benoît, qu'il y aura une solidarité aussi avec les communes ex-membres de la communauté pour que tu puisses, enfin, vous puissiez supporter la charge. Juste, alors, peut-être pour les nouveaux élus, la compétence, effectivement, quand on a créé l'agglo dans notre charte, l'acte fondateur, la compétence sport, hormis les centres aquatiques, n'est pas une compétence communautaire. Et tout le paradoxe, c'était que cet équipement sportif avait été construit par une CDC, la CDC de Moyaux-Pays d'Auge. Et quand l'Intercom de Lisieux et Moyaux-Pays d'Auge ont fusionné, évidemment, l'Intercom de Lisieux a récupéré la gestion de Batum. Et quand l'agglo a été créé, nous avons récupéré la compétence de Batum qui avait suivi son chemin communautaire. Mais c'est effectivement... toute l'ambiguïté de dire bah voilà, mais la compétence n'est pas d'une compétence communautaire et c'est une compétence communale et les élus de Moyaux mettaient en avant le fait que bah, finalement ils vont récupérer un bien qui était porté par une intercom avec un bassin de vie qui n'était pas la commune de Moyaux seule, donc c'est pas simple, hein. Donc voilà, donc je pense que j'espère trouver un accord avec la commune de Moyaux et je vais laisser son maire s'exprimer. Merci, Président. Donc, comme beaucoup l'ont dit, c'est une situation qui ne pouvait pas perdurer. Si on veut une certaine cohérence de territoire, on voit très bien que tous les complexes sportifs sont gérés par ce qu'on appelle des communes nouvelles ou d'autres structures, et que cette exception sur le territoire avait été relevée par un contrôle de la Cour des comptes sur la commune de Moyaux. Donc, il fallait donner une solution, une évolution à cette situation. Et au jour d'aujourd'hui, on est en mesure de proposer que la communauté d'agglo transfère la compétence à la commune de Moyaux de cette gestion d'immeubles et de son fonctionnement. Et la contribution à travers la C va permettre à la commune de travailler en lien avec les autres communes avoisinantes pour faire perdurer le service. Donc tout ça s'est fait dans un travail de collaboration afin que le service proposé à la population puisse perdurer et de donner aussi une certaine cohérence de territoire face à une exception liée à son histoire, bien entendu. Hein, comme l'a dit très bien le Président, quand on fusionne des communautés de communes, il y a des identités, des compétences très variées. Aujourd'hui, on fonctionne en agglo. Si on veut une cohérence de territoire, une solidarité de territoire, il faut mettre fin à des situations qui ne peuvent pas durer. Voilà, merci. D'autant plus que probablement beaucoup connaissent l'équipement. C'est un équipement extraordinaire. Hein. C'est surdimensionné par rapport à la commune de Moyaux, d'où le fait qu'il était porté par l'intercommunalité. Hein. Et c'est vrai que récupérer l'équipement pour la commune de Moyaux, ça peut être compliqué. Quoi. Et paradoxalement, l'équipement de Moyaux accueille des enfants, mais de je ne sais plus combien de communes, hein, bien au-delà du territoire du Calvados même. Donc voilà, je voulais remercier Benoît Charbonneau et l'équipe municipale, puisqu'on a eu plusieurs réunions de travail, séances de travail, avec Vincent Binet, les maires. On a essayé de mettre sur la table la création d'un syndicat intercommunal, des choses comme ça, mais l'État s'y opposait, puisqu'on est plutôt à dissoudre les syndicats qu'en créer d'autres. Donc merci Benoît pour ta compréhension, et comme ça, au 1er janvier, nous respecterons les préconisations de la Chambre régionale des comptes. Madame Walter a demandé la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je me souviens de la discussion que nous avons eue au sujet de cette situation extrêmement complexe il y a quelques mois en bureau d'agglomération. Je me souviens effectivement que
la position de la Cour des comptes était sévère et qui exigeait donc qu'on agisse et qu'on réponde vite. En même temps, moi, j'avais aussi compris que ça n'était pas facile pour Moyau, parce qu'il y a une charge qui va peser sur les finances de la commune, assez ou pas assez, il en restera, je pense. Donc, d'une certaine façon, je pense que cette évolution et ce choix est positif, dans le sens où moi, j'avais estimé qu'il était très dangereux de ne rien faire immédiatement, ou du moins de laisser couler, laisser passer le temps, parce que quand la Chambre des comptes s'exprime de cette façon, il faut transiger, il faut avancer. Et donc, ça, c'est bien. J'espère quand même que la commune de Moyau, qui fait effort, puisque en fait elle récupère la charge avec les AC, ce qui paraît être une décision simple, si je puis dire, c'est-à-dire que ça correspond effectivement à la seule solution possible au regard de l'état du droit, mais en même temps, si ça n'a pas été fait depuis 2017, c'est bien parce que c'était compliqué et lourd pour la commune. Donc j'entends ce que dit Benoît. À la fois, nous ne pouvons que le remercier de retirer à l'agglomération une sacrée épine du pied. Je pense que ça, il faut le dire. Et encore une fois, j'espère qu'il va avoir les moyens et la possibilité de trouver des dispositifs avec les communes voisines et avec les pour qu'il puisse y avoir quand même une participation sans syndicat. Enfin, il faudra trouver quelque chose, mais je pense qu'il faut surtout que là, il y ait la solidarité qui se manifeste, dans la mesure où il y a au moins, si j'ai bien compris, 20 ou 30 000 euros d'écart déjà dès aujourd'hui pour la commune par an. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce sujet ? Eh bien, je vous invite à voter. Ok, à l'unanimité. Merci encore, Benoît, et à toute ton équipe municipale, parce que je sais qu'en interne, ça n'a pas été simple. Je donne la parole à Bruno Le Boucher. Bonsoir à tous. Donc, le point ressources humaines, c'est la politique d'apprentissage et de recrutement des apprentis. Donc, l'apprentissage, dans la communauté d'agglomération, on pratique depuis 2018, au moment où la région avait contractualisé, il y avait un des paramètres, c'était que la collectivité embauche 4 apprentis et également toutes les collectivités du territoire avaient chacune, disons, un objectif. Je me souviens qu'à Mésidon, on avait 2 apprentis à recruter, que l'on honorait également. Et on s'est aperçu que ça a été, disons, un bon moyen, disons, pour intégrer, disons, des jeunes dans notre collectivité. Et également, disons, donc ça a été une façon de sourcing, hein, parce que, encore une fois, c'est une expérience pour les deux participants. Je dis toujours, c'est gagnant-gagnant. Parce qu'il nous faut, disons, accueillir ces apprentis suivant les services, et le facteur limitant souvent, c'est le tuteur. Et globalement, depuis 2018, on oscille entre 2 à 4 en permanence, disons, sur la collectivité. Et aujourd'hui, je vous demande, dans cette délibération, de passer à une étape plus importante, parce que sur 2021, il y a quelques services qui ont émis le souhait d'avoir des alternants. Et je pense qu'on va arriver sur fin 2021, début 2022, à avoir 6 apprentis. Donc,
pour ne pas, disons, revenir de façon systématique, que je propose, disons, de faire passer le seuil qui était de 4 apprentis à 10 apprentis. L'objectif n'est pas d'aller jusqu'à 10 aujourd'hui, mais pour se donner un peu de latitude. Donc voilà les éléments et l'enjeu de cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions ? Je pense que c'est une très bonne initiative d'encourager l'apprentissage, et les collectivités doivent aussi montrer la voie. Monsieur Eustache a demandé la parole. Non, mais c'est mieux pour l'enregistrement surtout. Oui, merci beaucoup. Ma question, elle est, est-ce que l'agglo bénéficie aussi des aides, comme dans le privé, quand on prend des jeunes en alternance ou en apprentissage ? Donc l'aide des 8 000 euros, vous les avez aussi, quasiment ? Je dirais que là, c'est le CNFPT, donc c'est le centre de la formation des agents territoriaux, qui finance à 50%, disons, le coût de la formation. Et puis, il y a des allègements de charges également. Et là, il y a une action qui est menée depuis, disons, le 1er juillet 2020 jusqu'à fin décembre 2021, avec une prime qui est donnée de 3 000 euros pour chaque alternant recruté. OK, merci. On y va, on encourage les jeunes. Clotilde, s'il te plaît. Ça va passer, ça va passer. Si tu vois, c'est passé. Ça y est, c'est passé. Voilà, quand tu dis non, ça fait oui. Oui, mais c'est bon. Il a passé, t'inquiète, tout va bien. Eh bien merci. À l'unanimité. Merci pour eux. Et donc, la délibération suivante. Toujours ressources humaines, recrutement des agents contractuels pour des besoins liés à un accroissement temporaire d'activité et un accroissement saisonnier d'activité au remplacement des fonctionnaires et des agents contractuels. Donc c'est une délibération que tous les ans on vous présente pour pouvoir justement, disons, pallier à ces remplacements. Donc je dirais que rien de particulier par rapport à celle qui avait été présentée l'an dernier. Est-ce qu'il y a des questions ? Des questions sur ça ? Non ? Donc, Frédéric Le Gouverneur a dit non, donc on vote. Donc, merci. Merci. Et donc, dernier point de l'ordre du jour, la parole est à Madame Benoît. Oui, c'est effectivement pour deux subventions. Pour l'association Lettres Enchantées, puisqu'ils ont deux objets différents, et à la dernière... À la dernière réunion, nous n'avons voté que sur le festival d'Hurlu-Belle-Rue. Donc, c'est-à-dire que les 1 500 euros sont déjà attribués, mais nous n'avons pas délibéré pour le fonctionnement de leur association, donc, qui est une association d'activités culturelles, de loisirs et de détente. Et donc, la proposition qui est faite est de 9 000 euros pour les enseignements artistiques. Donc, ça avait été un oubli pour les 9 000 euros. Donc, une première délibération. Ensuite, l'ARMEEN, qui est le festival de musique ancienne, qui d'ailleurs démarre, samedi 3 juillet, n'avait pas donné tous ses documents. Donc, les documents ont été donnés, le dernier document a été donné aux finances. Et la proposition pour l'ARMEEN est une subvention de 5 000 euros au titre de l'année 2021. Si vous en êtes d'accord. On y va là-dessus. Il y a une question, M. Binet me dit, qu'est-ce que c'est qu'ARMEEN ?
C'est de la musique ancienne. Festival de musique ancienne, donc il y a des stages avec des jeunes. Et là, ça commence le 3 juillet. Il commence... C'est quoi de la musique ancienne? avec des instruments anciens, voilà. Mais allez les voir. Ils sont à l'église Saint-Germain-de-Livet le 3 juillet. Et les écouter, surtout. Voilà, les écouter. Et j'en profite aussi, parce que l'été arrive, les associations redémarrent, la culture redémarre. Et n'hésitez pas à aller consulter notre Open Agenda Lisieux Normandie, où vous avez toutes les programmations pour cet été. Allez, on vote. Pour ceux qui ont déjà commencé, d'ailleurs. On commence à bien s'y habituer, hein. Bien, et donc cette délibération est votée à l'unanimité. Donc ainsi s'achève le Conseil communautaire. Je voulais vous remercier pour la sérénité dans laquelle nous avons eu nos débats ce soir et comment je vous invite donc à passer d'excellentes vacances pour qu'on revienne tous en pleine forme en septembre. Et vous êtes conviés à quelques petites Jacques-Marie demande la parole. Enfin, je prends la parole peut-être pour rien dire, mais je vais le dire quand même. Parce que je pense que j'ai été mal compris quand j'ai amené un commentaire dans ma délibération concernant les tarifs du Nautil. J'ai parlé sur les 3 semaines le nombre d'entrées et j'ai parlé de recettes. J'ai l'impression que certains ont compris 3 000. Enfin non, c'est 30 000. C'est 30 000, voilà, je voulais rectifier. Hein. Est-ce qu'on vote ? Non. Allez, on va boire un coup, on va manger un truc et puis bonnes vacances à tous. Merci. Ah, Monsieur Binet. Alors, il y a le bar, il est là. Monsieur Binet qui veut prendre la parole à tout prix. Vas-y, Vincent. Je ne veux pas prendre la parole. C'est juste, là, on va installer les manches debout. Donc, vous avez la terrasse extérieure, le bar est à l'entrée, et il y a aussi une partie sur la scène qui va être installée tout de suite. Là.